Bonsoir à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis à côté, ou plutôt il est à côté de moi, je ne sais pas, d'Adrien Abosi. Salut Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pareil de faire ta connaissance. Oui, c'est vrai qu'on ne se connaît absolument Bah oui, on pas. se découvre, voilà, donc Les gens étaient effectivement. inquiets, ils disaient, mais vraiment, est-ce qu'ils sont fâchés? Tout à fait, car je dois dire que sur Facebook, un certain nombre de personnes m'ont envoyé des messages pour me demander si je te connaissais, ou d'autres personnes m'ont envoyé des messages qui sous-entendaient que si je ne venais pas dans ton émission, c'était par lâcheté, bien entendu. Car eux, étant précisé qu'ils sont bien entendu effectivement Bien des sûr, modèles de courage et de ce sont des résistance, gens très courageux en qui fait. ont tous des faits d'armes à opposer, Oui, face évidemment. caméra qui ont dit tout un tas de choses absolument Exactement. très très courageuses. Exactement. Donc non, c'est pas la vérité, Adrien, c'est pas un traître. Pas encore, pas Pas encore. encore, Pas encore. pas qu'on le sache. Je Alors, suis très cher, moi, donc tu sais, tant que les enchères montent pas, c'est sûr, pour c'est une petite l'acheter. blague de Danton que j'aime beaucoup. Oui. À son procès, on lui reprochait d'être. Pourtant, je suis pas un fan de Danton, mais tu sais, on lui reprochait d'être corrompu. Et il répondait, c'est impossible, je suis impayable. Je trouve que c'est Eh bien, une bonne punchline. à l'image de Danton, j'espère que tu n'auras pas la même fin Ah que hein, oui, c'est bon. Et pour mais je citer. dirais même pas même début et pas même milieu. Pas du tout la même vie en Voilà, fait, tout donc, et simplement. quand on sera au pouvoir, la statue de Danton qu'on trouve à Odéon, on la brûle, on la détruit, et on met à la place une statue du général Weygand, par exemple. Je crois qu'on a compris à peu près le projet abositien en tout cas. En tout cas, on va essayer de le terminer dans cette émission qui est basée sur ce livre. C'est une nouveauté, donc c'est ton Tout à livre. fait. La France divisée contre elle-même, je le montre comme ça de plus près. Alors c'est un peu l'événement de l'été, Adrien. Ça faisait longtemps que tu nous en parlais un petit peu de ce livre et puis il sortait jamais. Bah, le diable a tout fait hein, pour ralentir la sortie du. Je suis très sérieux, hein, le diable a tout fait pour empêcher la sortie de ce livre. Vraiment, en fait, il est terminé depuis plusieurs mois. Oui. Mais le démon s'est acharné. Il a joué avec mes nerfs, mais au final, il a été vaincu. C'est une Voilà. difficulté éditoriale, mais c'est enfin sorti. Alors avant toute chose, avant de rentrer dans le contenu du bouquin, par ailleurs, c'est pas seulement un livre, c'est aussi le début de ta boîte d'édition, Altitude. Alors, c'est pas proprement parlé ma maison d'édition. Oui. Je suis actionnaire dedans, je vais pas faire D'accord. voilà, de D'accord. mystère. Sauf que je suis avocat barreau de Paris. Et sache que quand tu es avocat, tu n'as pas le droit d'être actionnaire majoritaire dans une société. Très bien. Alors, pourquoi à la base j'ai fait cette maison d'édition? Bah, tu sais, c'est très simple. Pendant des années, j'ai travaillé en cabinet d'avocat. Et ensuite, j'ai créé le mien, tout simplement. Pourquoi? Parce que je voulais être indépendant. Et être maître de mon temps, en vérité. Bah, avec la maison d'édition, c'est pareil. Je voulais être maître de ce que je publie. Ne pas avoir de censure ou de rabais ou de rabotage. Et donc, bah, j'ai très naturellement fait ça. Et puis, au-delà de moi, j'espère pouvoir donner la parole à travers cette audition à d'autres talents, deux, trois en stock, Ouais. qui vont arriver, qui vont parler dedans quelques mois. Et cette audition, je la prends très au sérieux, pour ne rien te cacher. Car c'est une machine à refranciser pour moi. C'est une machine à recréer. La civilisation française. La civilisation française est une civilisation d'excellence. Hein, on est reconnu comme tel à travers le monde. Et donc, j'espère créer des morceaux d'excellence, que ce soit par mes ouvrages, ou par des rééditions, ou par des ouvrages d'autres auteurs. La civilisation française est une civilisation d'excellence. Tu sais, quand j'étais à l'école du barreau, il y avait une étudiante chinoise, très intelligente, hein, parfaitement francophone. Et parfaitement francophile. Et elle me disait, tu sais, la cité interdite, c'est vachement bien, hein, mais quand je compare à Versailles, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous sommes une civilisation d'excellence, et cette maison d'édition est une sorte de défi, puisque notre époque est quand même une époque où la médiocrité triomphe, où la médiocrité est la norme. Eh bien moi, je veux prouver que face à cette tsunami qu'on nous envoie sans cesse de médiocrité, de bassesse, et que sais-je encore, eh bien, il est possible de faire du beau, de faire du raffiné, de faire de l'intelligent, de faire de l'élevé, voilà, tout simplement. Donc j'espère, par cette maison d'édition, par mes ouvrages, ceux d'autres auteurs et des rééditions, d'élever les esprits des gens, et aussi, je le confesse un peu, de les aider à regarder vers le ciel si tu suis un peu mon regard, Oui. voilà. Donc oui, non, mais c'est ambitieux, mais on va pas te le reprocher. C'est bien d'être ambitieux, c'est bien Ah de. mais je suis extrêmement ambitieux, Oui. et il faut viser haut, on n'a pas le choix là quand même les mecs, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas en étant mou du genou et en ayant des objectifs au rabais qu'on va changer les choses, parce que tout ce que nous faisons, c'est quand même pour changer les choses. Non, mais je te remercie de cette ambition Donc parce qu'on est dans une époque un peu
qui raille l'orgueil. Enfin, c'était dès pas qu'on de a un projet, c'est censé être de la vanité. Parce que si tu veux, les cerveaux en France ont été déformés, notamment par l'éducation nationale, pas que, mais notamment, et effectivement, toute preuve d'ambition est considérée comme une marque d'arrogance et d'orgueil. C'est absolument stupide. Oui. Et d'ailleurs, lorsque quelqu'un m'oppose ce genre de réflexion, il s'identifie à mes yeux comme un crétin. Tu vois. Donc, c'est un service qu'il me rend. C'est un service qu'il me rend. Tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Sacha Guitry, qui est une de mes citations préférées et qui est, à certains égards, une citation qui m'aide à me guider dans ma vie. Ouais. Vouloir plaire à tout le monde, c'est vouloir plaire à n'importe qui. Ouais. Eh bien, moi, je ne veux pas plaire à tout le monde. Voilà. Moi, je m'adresse aux gens qui veulent s'élever et aux gens qui se sont élevés. Mmh. Voilà. Non, mais il y a une forme d'élitisme là-dedans, mais ce n'est pas un gros mot, l'élitisme. D'ailleurs, il y a un moment dans le bouquin, je ne sais plus exactement où c'est, je crois que c'est vers la fin, où tu redéfinis ce que c'est l'élite. Alors c'est pas tout à fait moi qui l'ai redéfini. Je fais une très longue citation de l'amiral Offan. Voilà, tout simplement. Alors, parce qu'en fait le livre je l'ai dédié à trois personnes, Augustin Cochin, Emmanuel Baudelomini et l'amiral Offan. Et l'amiral Offan fait partie de ces fils rouges et de ces statuts du commandeur de cet ouvrage. Il y en a d'autres, notamment un militaire dont on reparlera sans doute, mais il y a Baudelomini, donc il y a ces trois auteurs-là qui sont en quelque sorte des fils rouges. Voilà. Quel a été le moteur? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? À la base, ce sont des intuitions. Ce bouquin, j'ai commencé à l'écrire en 2013, à l'été 2013. Ah, oui, oui. Le premier chapitre, enfin une bonne partie du premier chapitre, je l'ai commencé à l'été 2013. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toutes ces années, j'ai écrit plusieurs livres en vérité et les autres vont sortir bientôt. D'accord. Donc cet ouvrage, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire et puis en plus, il m'a demandé vraiment énormément de documentation. Mais il y avait un mystère que je voulais percer. C'est pourquoi les élites françaises ne défendent pas ou ne défendent que subsidiairement les intérêts de leur pays. Erdogan défend les intérêts de la Turquie. Poutine défend les intérêts de la Russie. Les présidents américains défendent les intérêts des États-Unis. Le FLN défend les intérêts d'Algérie. Pourquoi en France, on fait passer autre chose avant les intérêts de la France? Je voulais comprendre ce mystère, mais je voulais vraiment le comprendre au fond du fond. Car très concrètement, la réponse qui est donnée à cette question généralement par les milieux d'extrême droite ou dissidents, c'est un recours systématique à la question juive. Mais je fais remarquer que la Révolution française n'a pas été faite par des juifs. Je fais remarquer que la Révolution de 1944 n'a pas été faite par des juifs non plus. Et je ferai même remarquer que Vatican II n'a pas été fait non plus par des juifs. Donc ce recours systématique à la question juive me fatigue, je ne te le cache pas. Je ne suis pas philosémite, mais je suis avocat. En tant qu'avocat, j'ai un dossier, je regarde les pièces de mon dossier. Et je vois que la Révolution française n'a pas été faite par des juifs. Donc je n'ai pas m'amusé à me dire qu'elle a été faite par des juifs. Et moi, ce recours, si tu veux, en fait, ce judéocentrisme systématique, et parfois, il faut le dire, un peu délirant, je m'excuse, me fatiguait. Et je voulais voir, je voulais comprendre ce qui était responsable de la situation française et pourquoi donc l'État, depuis maintenant 200 ans, ne défendait plus les intérêts de la France. Voilà. Je ne dis pas que la question juive n'existe pas. Je ne dis pas qu'elle ne pèse en rien. Tu en parles dans ton livre. Exactement. Mais tu la mets en perspective avec d'autres problèmes. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout, je voulais comprendre quels étaient les problèmes internes à la France. Parce que si demain, 100% des juifs qui vivent en France vont vivre en Israël, fondamentalement, ça ne changera pas grand-chose. Ça changera sans doute certaines choses, mais ça ne changera pas fondamentalement nos vies. Et je fais remarquer que les phénomènes que la France vit aujourd'hui, d'autres pays où il n'y a pas de communauté juive, les vivent aussi. Donc, il faut être un peu sérieux. Et tu rappelles aussi une chose très importante, j'allais en parler plus loin, mais vu qu'on est dessus, tant mieux, c'est que qui a donné cette place aussi? C'est très important. Personne ne le fait jamais. C'est très important, parce que moi, je me suis posé une question. On me dit, les juifs tiennent tout en France. Je suis avocat. Je vais chercher les pièces du dossier. Est-ce que c'est vrai? Je lis un écrivain antisémite, notamment, qui s'appelle Henri Coston. C'est pas sa conclusion. C'est quand même intéressant. Ce mec-là, a priori, s'il pouvait dire du mal des juifs, il aurait saisi la perche et il l'aurait dit. En théorie, ouais. Et ce n'est pas le cas. Et donc, dans mon ouvrage, je fais la sociologie des élites françaises. Pour comprendre, mais qui sont nos élites? Ces gens-là dont on ne parle jamais. Ces gens-là qui, contrairement à ce qu'on dit, n'habitent pas forcément dans le 16e, mais habitent dans la banlieue du 92, tu sais, enfin dans le département du 92, parce que sinon là les vrais riches en France, il y en a à Paris bien entendu, mais les vrais, de vrais riches, ils sont en banlieue parisienne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Banlieue ouest. Qui sont ces gens-là? Ce serait quand même bien de le savoir. Bon, et donc je fais une assez longue sociologie des élites françaises.
je fais la genèse de la bourgeoisie, comment la bourgeoisie est née à travers la Révolution française, cette nouvelle bourgeoisie plutôt, parce que la bourgeoisie existait avant la Révolution française, mais comment la bourgeoisie a pris du pouvoir, a pris un pouvoir supplémentaire lors de la Révolution, qui sont ces gens, qui sont ces familles parfaitement identifiées. Oui. Ensuite, bon, bah, y a cette. En fait, si tu veux, ce que je. Il faut schématiser pour faire comprendre. Donc, ce que je synthétise, c'est que les élites françaises ont trois grandes branches. Première branche, ce sont donc les dynasties bourgeoises qui ont émergé à partir de la Révolution. La deuxième branche, c'est la noblesse reconvertie à l'affairisme, car pendant la Restauration a été votée une loi dite des 2 milliards, je crois, qui a permis à la noblesse de se réinjecter des capitaux. Et contrairement au siècle passé où la noblesse n'avait pas investi dans l'industrie et dans le commerce parce que c'était considéré comme dégradant, eh bien là, si tu veux, la noblesse française a pris une part importante dans l'économie française. Et la troisième branche, c'est, on l'évoquait, notamment la bourgeoisie israélite, comme on disait, longtemps. Mais comment la bourgeoisie juive a-t-elle pris des places dans la société française? Parce que ça va pas de soi. Oui. Puisqu'à la place, toutes les places sont tenues. Oui. Donc comment se fait-il que des nouveaux venus arrivent à prendre des places? Parce qu'aujourd'hui on essaie de prendre des places, on a un petit peu de mal, hein. Ça n'a pas échappé. Hein. Bon. Alors comment se fait-il que ça s'est produit? Alors ça s'est fait en deux temps. Tout d'abord sous le Second Empire, car une partie de la bourgeoisie orléaniste qui tenait l'économie française, en gros, ne s'est pas ralliée au Second Empire. Et donc il a fallu combler les places, et Napoléon III a fait appel à la bourgeoisie juive, étant précisé que Napoléon III se méfiait des Rothschild dans un premier temps. Oui. C'est pourquoi il a monté, ou plutôt il a aidé d'autres familles juives pour torpiller en quelque sorte les Rothschild, notamment la famille des Pereire. Mais in fine, Napoléon s'est rallié aux Rothschild. La petite parenthèse, les Rothschild aussi étaient très proches de la monarchie de Juillet. Oui. Et donc Napoléon III n'était pas forcément. Il voulait pas. Enfin, il se méfiait un petit peu d'eux. Oui. Mais à cause de la guerre de Crimée, Napoléon III s'est rapproché d'eux parce qu'en fait, ils avaient des facilités de paiement avec les pays de l'Est. Voilà. Bon. Oui. Et ensuite, dans un deuxième temps, ça s'est passé sous la Troisième République. Ce qu'il s'est passé, c'est que nous sommes à une époque où le capitalisme est extrêmement brutal. Le capitalisme a restauré l'esclavage au XIXe siècle. Hein. Bon. Et donc, il a fallu détourner la colère du peuple, si tu veux. Et cette colère du peuple, on l'a détournée à travers le biais anticlérical. On a lancé le peuple contre l'Église pour ne pas le lancer contre l'argent avec un grand A, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, le problème, c'est qu'il a fallu mener cette politique. Et il a fallu trouver des hommes pour mener cette politique. Et ces hommes ne pouvaient pas être des catholiques. Et en fait, la bourgeoisie orléaniste, le haut état-major orléaniste, a coopté des non-catholiques, donc des protestants, des libres-penseurs ou des juifs. Et Baudeloméni fait cette sociologie des élites françaises, et j'invite les gens à lire La responsabilité des dynasties bourgeoises. Mais Henri Coston en parle également. C'est passionnant d'ailleurs à étudier l'histoire des élites françaises. Et ensuite, il y a eu des brassages entre ces trois grands groupes. Hein. Alors, il n'y a pas un amalgame définitif. Mais il y a eu des brassages entre ces trois grands groupes que je t'ai évoqué là. Oui, c'est vrai que des grandes familles bourgeoises françaises se sont alliées avec des familles. Tout à fait, parce qu'il y avait des familles juives, par exemple, qui voulaient une petite particule, tu vois, pour leur fille. Voilà, une petite particule. Et puis il y avait des familles bourgeoises qui disaient, bon, bah là, on va prendre des liquidités. Exactement. Voilà. Ceci étant posé, tous les hauts postes économiques en France sont pas tenus par des juifs, et là, il faut arrêter de délirer. Est-ce que tu connais la famille Germain? Non. Créateur du Crédit Lyonnais. Est-ce que tu penses que ces gens-là dorment sous les ponts? Ah oui, tu m'avais dit. Mais compris même dans le droit. Mais évidemment. Mais même Arlès Dufour aussi, autre coactionnaire du Crédit Lyonnais. Mais il y a plein de banques françaises qui ont été créées par non-juifs. Ça, c'est du délire total. À l'échelle internationale, par exemple, tout ce qui est fast-food, vous verrez que ce sont des blancs européens, protestants en général. C'est essentiellement des blancs. Alors, je ne sais pas. Pas spécialement des juifs. Non, mais ça, je le sais. Et donc, et tu me disais toi-même que dans le droit, on croit vraiment qu'il y a énormément de juifs, alors que. Il y en a, hein. Il y en a, mais ce n'est pas forcément une. Ah, bien sûr, mais ouais. il faut arrêter de délire avec ça, quoi. Enfin, Et en plus, derrière ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de complexe d'infériorité qui est fatigant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est même grotesque. Moi, c'est ce qui me fait le plus sourire, c'est les gens qui disent oui, il y a beaucoup de juifs médecins. Oui, bah, il y a beaucoup de juifs qui réussissent le concours, tant mieux pour eux. Et j'ai envie de dire, ça nous empêche de le tenter. Il faut dire, tu sais, tu peux les imiter. Oui, par, oui. En travaillant, par exemple, en faisant des efforts, en arrêtant de te plaindre toute la journée. Il n'y a pas de complot pour t'empêcher d'avoir le diplôme de médecine. Exactement. C'est sûr. Exactement. Alors, la thèse principale de ton livre, qui n'est pas forcément une thèse qui vient de toi, mais que tu as pris à ton compte,
et qui pour moi est extrêmement choquante, mais dans le bon sens du terme, c'est vraiment l'idée que la République forme un pays à l'intérieur du pays qui est la France. Et ça, est-ce que tu peux vraiment passer du temps sur cette idée? Parce c'est que très c'est important. Il faut que les gens le conceptualisent. Central, parce qu'on va répondre à la question que j'ai posée. Voilà, voilà. Ouais. Ça, tout d'abord, le fait que la République soit un autre pays qui se substitue à la France, ça a été perçu en premier lieu par Augustin Cochin. Oui, voilà. Alors, il n'utilisait pas ces mots-là, et il n'a pas pu aller au bout de sa pensée parce qu'il est mort lors de la bataille de la Somme. Mais s'il avait survécu, il serait arrivé à cette conclusion, parce qu'il était vraiment sur les rails. Ensuite, ça a été perçu par une historienne qui s'appelle Marie Madeleine Martin. J'invite les gens d'ailleurs à lire ces ouvrages qui sont passionnants et super bien écrits. D'accord. Ensuite, ça a été davantage perçu par un auteur, par un historien qui s'appelle Jean de Vigry. Là où je me distingue d'eux, en revanche, c'est que, selon moi, la République n'est pas un pays qui a succédé à la France. La République est un pays qui cohabite et qui coexiste avec la France et qui tente justement de le phagocyter pour la réduire à néant. Mmh. Et qui tente d'imposer définitivement une nouvelle anthropologie, ou plutôt de substituer à l'anthropologie française une nouvelle anthropologie fondée sur la Révolution française, sur les Lumières, etc. Je rappelle qu'on a un public assez jeune. Est-ce que tu peux expliquer ce que phagocyter veut dire? Les gens comprennent bien ce que tu essayes de dire. Grignoter en quelque sorte. En fait, si tu veux, c'est englober quelque chose et ensuite le digérer. Mmh. En fait, c'est l'englobement et la digestion en quelque sorte. Ouais. Je suis pas. Peut-être qu'un médecin te donnerait une meilleure définition, mais en gros, c'est ça l'idée. J'ai bien l'image en tête. Elle est fondamentale, cette image. Ouais. Voilà. Elle est fondamentale. Donc, c'est vraiment un phagocytage. Et donc, l'originalité de mon propos par rapport aux auteurs que j'ai cités, c'est que j'explique la décomposition de la France, pas son déclin, la décomposition de la France, par le phagocytage progressif de la République, enfin de la France par la République. Voilà. Et donc, Moraste disait, ce qu'il appelait les quatre États confédérés sont anti-France, les quatre États confédérés sont lui, c'était les Juifs, les Francs-Maçons, les Métèques et, j'en oublie un, les Protestants. D'accord. Moi, je dis non, l'anti-France, c'est la République. L'influence des quatre États confédérés est un effet de ce phagocytage qui rogne, qui érode l'anthropologie française et qui affaiblit l'anthropologie française. Mais à la base, je me répète, l'anti-France, c'est la République que j'ai rebaptisée la République des Lumières. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est la problématique de la première partie de mon livre. Parce qu'en fait, dans mon bouquin, je parle du passé, du présent et de l'avenir. Oui. Et la problématique du passé, c'est celle-là. Mmh. Et je pense le démontrer que cette dynamique de la République décompose l'identité de la France. Il faut bien comprendre que l'ennemi numéro un de l'identité de la France, ce qui nous empêche aujourd'hui d'être français, ce qui nie l'identité de la France, c'est la République, qui n'est pas la République de France, qui est la République des Lumières. Mmh. C'est autre chose. Et je réponds à ma question. Pourquoi on ne défend pas les intérêts de la France? C'est très simple. Oui. On défend les intérêts d'un autre pays. Exactement. Et on fait prévaloir les dogmes idéologiques de la République à la défense des intérêts matériels et spirituels, parce que défendre un pays, c'est aussi de le défendre spirituellement. On fait primer les intérêts d'un autre pays sur les intérêts de la France. Et ce pays, c'est pas la Thaïlande, c'est pas le Vietnam, c'est pas les États-Unis, c'est pas Israël, c'est pas l'Arabie Saoudite. C'est la République. C'est et c'est le fond du problème, ça. C'est pour ça que j'ai employé le mot choc, parce que du moment qu'on a cette grille de lecture, tout à coup, on comprend tout. On comprend tout. Se dit, mais. Parce que quand on regarde Hollande de loin, on dit, mais il fait n'importe quoi. Et puis après, quand on regarde cette présidence avec cette grille de lecture, on se dit, ah oui, dans une logique anti-française. Il cherche à réaliser l'idéal républicain. Tout à fait, Qu'est-ce que l'idéal républicain? C'est la création d'un homme nouveau. Et ce que je démontre dans mon livre, c'est que la République cherche sans cesse à créer cet homme nouveau par tous les moyens. Déchristianisation, immigration, émigration, lavage de cerveau par l'éducation nationale et j'en passe des meilleurs, avortement, j'ai quelques mots durs contre l'avortement dans mon livre. Donc tout ça vise à créer un homme nouveau qui a vocation à se substituer à l'homme français, qui en plus l'homme français il a le défaut d'être catholique la plupart du temps, donc ça c'est pas bien. Oui, oui. Oui, les gens doivent bien comprendre que ce n'est pas, enfin ça pourrait l'être, mais ce n'est pas que tu critiques la République en tant que régime, c'est que tu dis que la France est républicaine. Je vais citer un passage très important. En droit, là c'est toi qui écris, page 229 de ton livre, en droit, plus qu'en toute autre matière, les mots ont leur importance. Les constitutions depuis 1946 ne consacrent pas que la France a un régime républicain, mais bien qu'elle ait une république. La France est donc officiellement, juridiquement, autre chose que la France, elle est un autre pays, elle est une république.
Et pour épouser un peu cette grille de lecture, donc, par exemple, tes deux premières parties, dans la première, tu fais une histoire de la France, qui s'arrête en 1789, et puis ensuite, tu poursuis l'histoire de ce que les gens pensaient de la France, et que toi, tu nommes l'anti-France, la République, de 1789 à nos jours, en passant par la guerre mondiale, Tout etc. à fait, et je démontre qu'il y a une sorte de basculement, et que ce basculement a vocation à éteindre l'anthropologie française. Et j'insiste sur le fait que, aujourd'hui en France, cohabitent trois peuples. Le peuple français, de plus en plus minoritaire, pourcentage infime de la population française. Le peuple républicain, jacobin, je l'appelle jacobin dans mon livre, on aurait pu l'appeler républicain comme M. Peillon, le fait lui dans ses ouvrages. Et un troisième peuple qui est celui que tu devines. Donc, trois peuples coïncident sur le sol de France et trois grandes anthropologies coïncident, que dis-je? Coexistent, cohabitent, vivent ensemble, n'est-ce pas? Et donc, en fait, pour ne rien te Je cacher, le t'avais. premier chapitre, Oui. je voulais l'appeler Collision entre trois nations. Mais bon, c'est pas très sexy, donc j'ai changé. Mais ça résume bien le fond de ma pensée. Et en fait, on ne comprend les événements des dernières décennies, voire des derniers siècles, que en mesurant qu'il y a ce choc entre deux anthropologies. Est-ce que tu pourrais lire potentiellement Dis-moi. une citation C'est à quelle page ça se trouve? de Waldeck-Rousseau, c'est vers 200 et quelques, je crois. Attends, passe-moi le Vas-y, je t'en bouquin. prie. Je vais te le retrouver vite fait, bien fait, j'espère. Tac, 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 tac. Ouais, je crois que je vais le retrouver. Voilà. Citation de Monsieur Waldeck-Rousseau. Waldeck-Rousseau, président du Conseil de la Troisième République. Hein, je précise bien. Ça a été le gouvernement le plus long de la Troisième République, Waldeck-Rousseau. Dans ce pays dont l'unité morale a fait, à travers les siècles, la force et la grandeur, deux jeunesses, moins séparées encore par leurs conditions sociales que par l'éducation qu'elles reçoivent, grandissent sans se connaître, jusqu'au jour où elles se rencontreront, si dissemblables qu'elles risqueront de ne plus se comprendre. Peu à peu, se préparent ainsi deux sociétés différentes, l'une de plus en plus démocratique, emportée par le large courant de la Révolution, et l'autre de plus en plus imbue de doctrines qu'on pouvait croire ne pas avoir survécu au grand mouvement du XVIIIe siècle. C'est formidable. On est en 1900 Ouais. et il perçoit déjà qu'il y a deux branches dans la société française. Non, en fait, il y a deux sociétés qui, je crois, pour reprendre ces mots, si dissemblables qu'elles ne se comprennent plus. Mais Et là, on comprend pourquoi on trouve que les gens de gauche, enfin, tu vois, exactement, on ne tu as bien partage fait rien de avec trouver eux. cette citation parce que je trouve que j'insiste vraiment sur cette grille de lecture et quand vous lirez l'ouvrage d'Abosi, vous comprendrez ce que je veux dire. Quand on parle de grand remplacement, bien sûr, ce qui saute aux yeux, si vous baladez dans la rue, vous voyez énormément de Scandinaves, il y a Tout à fait. des Norvégiens Beaucoup de partout, Suisses aussi, hein. c'est Beaucoup de Suisses. insupportable, on est littéralement envahi par ces gens. Mais au-delà de ce grand remplacement, il y a un grand remplacement au sein même du peuple français. Il y a un grand remplacement préalable. Voilà. Et non, mais Ouais. tu le formules comme ça. Et parfois, une Oui. image qu'on a dans le cerveau, tout à coup, nous fait comprendre tout un Tout à système. fait. Et tout à coup, je me suis dit, mais toutes ces soirées que j'ai passées avec des gens de gauche, j'avais l'impression que c'était des étrangers. Mais bien On ne sûr. se comprenait pas, on n'avait pas les mêmes références, on n'avait pas la même âme. La même C'était fou. sensibilité Oui, aussi. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Ouais. Et tu sais, que voulais-je te dire à ce sujet? Ça va revenir. Non, mais c'est que moi, beaucoup de gens, bon, j'ai un petit côté provocateur. Hein, même l'ami du Limousin disait que j'étais un grand dadais. Mais je suis très sérieux quand je dis qu'aujourd'hui, des dizaines de millions de blancs qui vivent en France ne sont pas français. Est-ce qu'ils se structurent par rapport à l'anthropologie française? Réponse non. Est-ce qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants la culture française? Réponse non. Quand tu appelles ton fils Kenzo, excuse-moi, c'est mal parti, quoi. Hein. Je veux dire, bon, c'est. C'est clair. Mais c'est vrai. Alors, comme je disais, bon, je N'y a pas beaucoup d'Italiens qui appellent leurs enfants Jean-François, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ah, quoique, attends, t'as donné un mauvais exemple, parce que c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais les Italiens ont voulu être dans l'assimilation. Et donc. Non, mais je veux dire en Italie. Ah, d'accord. Ah, oui, pardon, En j'ai mal Italie, tu compris. vois. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi des Français de souche donnent des Ah non, prénoms mais non c'est français à leurs absurde. enfants? Oui. Je comprends Mais. pas. Je connais même une fille, moi, qui a donné un prénom indien à son fils. Ah, oui. Et j'ai engueulé, hein, Bon, mais le ça modèle, n'a pas c'est Jean changé. Kevin. Hein. Quand vous avez affaire à Jean Kevin, vous vous dites, mais qu'est-ce qui est passé dans la tête de ses parents? Alors là, c'est du mauvais goût, c'est autre chose, tu vois, mais c'est un autre problème. Alors donc, Mais la maison d'édition sert aussi à lutter contre le mauvais goût. Tu sais que j'espère. Paul Valéry disait « Le goût est fait de mille dégoûts Ah, écoute, qu'est-ce que je. Mais moi aussi j'ai perdu le fil du coup. Ah oui. Donc je voulais te dire ». On parlait de Jean-Kévin. donc pour que vous compreniez un peu l'articulation du bouquin, on va y aller de manière chronologique. Les deux premières parties sont plutôt historiques. La première est une. Enfin, il y a une partie et dans cette partie il y a des chapitres. Le premier chapitre est un résumé historique de l'histoire de France sur plus de 1000 ans, depuis le baptême de Clovis.
Ouais. Ensuite, on parle de la Révolution française, on arrive à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, donc, il y a tout un chapitre qui parle de la France occupée par les Allemands et notamment du rôle de Pétain là-dedans. Et je dois te dire que moi, c'est le chapitre qui m'a le plus intéressé parce qu'au début, quand tu commences à parler de ça, je me dis, mais je ne comprenais pas où tu voulais en venir. Je me dis, mais pourquoi il parle de Pétain à cet endroit-là? Je ne comprends pas. Et je l'ai compris à la fin du chapitre. En fait, ce qui est remarquable, c'est qu'on comprend que lorsque les Alliés ont vaincu les Allemands et que De Gaulle est revenu triomphant en France, on a moins reproché à Pétain d'avoir collaboré finalement que d'avoir essayé de transformer et de faire revenir la France à ce qu'elle était autrefois. Évidemment. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'effectivement, les preuves que tu donnes sont accablantes. Il est évident que Pétain n'a pas collaboré avec l'Allemagne et a tout fait pour la faire perdre de l'intérieur. Et ça a été un ennemi d'Hitler. Ah ben oui, c'est ça qui est incroyable. Ça veut dire que si les Allemands n'ont pas envahi l'Afrique du Nord, c'est à cause de Pétain. Oui, oui. Il a rendu à la cause alliée des services gigantesques. Et même pendant le procès Pétain, tu expliques, tu donnes des exemples concrets de gens qui prenaient sa défense en disant « Mais c'est impossible, il est impossible que ça ait été quelqu'un qui ait fait une intelligence avec l'ennemi, il a tout fait après l'armistice pour faire gagner la France. » Et puis tu sais, moi je suis avocat, je me répète, hein, je regarde les pièces du dossier, quoi. Les pièces du dossier sont absolument accablantes, ouais. contre le mensonge gaullo-communiste. Je ne vais pas refaire maintenant, parce que ce sera un petit peu long, oui, oui. tout ce que Pétain a fait contre l'Axe. Mmh. Mais enfin voilà, hein, création de l'armée d'Afrique. Je veux dire, regardez le troisième chapitre, il y a des dizaines et dizaines de preuves. Je pense qu'il va être mythique. Oui. Et puis tu vois, ce qui est rigolo, c'est que des fois, je fais des petites citations qu'on ne voit pas venir, quoi. Je cite Eisenhower, quoi. Oui, oui. C'est Eisenhower qui me donne raison, quoi. mais ce qu'il faut bien comprendre pour résumer, c'est que Pétain et Darlan ont fomenté une stratégie le 4 août 1940. Et ce qui est rigolo, c'est que mon bouquin est sorti le 4 août. Oui. Et ils ont fait un plan de reprise des combats. Et j'ai une formule qui résume la chose, c'est que les Français qui se sont battus en Afrique du Nord, en Italie, en Provence, en Allemagne et en Autriche, n'ont pas répondu à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ils ont répondu, ou plutôt ils ont obéi à l'ordre de reprise des hostilités de l'amiral Darlan donné le 13 novembre 1942. Oui. Et dans toute cette formule, tu comprends tout. C'est que qui sait aujourd'hui que l'armée d'Afrique a été relancée dans la guerre par l'amiral Darlan. Oui, tu montres aussi les mensonges de De Gaulle qui sont très nombreux, il ment énormément. Mais il ment tout le temps. Ouais. Mais attends, il est obligé de mentir. Ouais. Il combat pour le mal. Et il veut se faire passer pour le bien. Mmh. Il est obligé de mentir. Le premier de ses mensonges est le 22. Enfin, ça commence dès des pseudo-appels. Parce que tu sais que l'appel du 18 juin qu'on nous présente est un faux. Hein. Mmh. Ça serait long, donc je ne vais pas expliquer. Mais si tu prends l'appel du 22 juin, De Gaulle ment ouvertement, puisqu'il dit. Que par l'armistice. Déjà, il dit que l'armistice est une capitulation, premier mensonge. Et deuxième mensonge, il dit qu'on a livré l'aviation et la marine. Ce qui est absolument faux. C'est d'autant plus faux que Pétain refait faire secrètement une aviation pour la relancer dans le combat avec le général Bergeret, notamment. Qui sait ça aujourd'hui d'ailleurs? Personne. Oui, oui. C'est pas grave. Mais De Gaulle passe son temps à mentir. Et je vais te dire, De Gaulle savait très bien qu'il mentait. Et je pense que ça a dû être un homme torturé qui vivait avec le mensonge. Collé à la peau jusqu'à la fin de ses jours. Il le savait très très bien qu'il mentait. Et de toute façon, quand on connaît les pièces du dossier, objectivement, c'est accablant. Oui. Et tu sais, moi j'ai débattu avec Christian Vanest à MetaTV là-dessus, et quand je débattais avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pu en placer une. Quand je parlais, il disait que ce que je disais était faux. Oui. Donc j'avais quelqu'un qui m'empêchait. Pas honnête. De dire la vérité. Oui, oui. Tu vois? Objectivement. Et les gaullistes sont obligés de mentir ou de vivre par omission. Ouais. Tu sais, moi, je me suis beaucoup trollé sur Internet. Première règle, c'était les soralos maghrébins. Tu sais, j'avais même inventé le terme de réconcilier, qui me faisait beaucoup rigoler. Oui. Je suis assez fier de celle-là, d'ailleurs. Et je me suis fait troller dans un second temps par les gaullistes, tu vois. Ouais. Et bon, moi, il m'a cassé, bien entendu. Mais d'un autre côté, je me dis... Avec toutes les vidéos que j'ai faites là-dessus, avec ce livre, je les fais tellement passer pour des bouffons, tu vois, que finalement leur hostilité, je leur en veux pas trop, quoi. Voilà. Je propose un débat avec Pierre-Yves Rougeron sur ce plateau, s'il l'accepte, ce serait peut-être intéressant. Oui, avec n'importe qui l'autre. Je veux dire, si un gaulliste veut qu'on discute, mais alors cette fois-ci, sérieusement, sans s'interrompre et sans manque de respect, parce que dire à quelqu'un vous mentez, vous inventez en permanence, c'est pas très sérieux. Tu sais, moi je suis avocat. J'ai jamais vu un avocat plaider en disant en fait tout ce que vient de dire la partie adverse est faux, enfin c'est pas sérieux, c'est pas mature, quoi. Bon, ouais. Moi je suis pas un politique, hein. Je suis un mec sérieux, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bref,
Mais si quelqu'un veut débattre avec moi, moi je suis ouvert, hein, y a pas de problème. Hein. Et qu'on m'explique que c'est pas Darlan qui a relancé l'armée d'Afrique. Mmh. Y a aucun problème, hein, qu'on me l'explique. Hein, je veux dire, et ça et mille autres exemples. Alors, en fait, on a affaire ici à l'inculture et je m'inclus là-dedans. Je connaissais pas du tout tous ces faits qui vont dans le sens en fait de Maréchal Pétain. Et c'est vrai que de loin, quand on entend parler un pétainiste, on se dit il est pétainiste parce qu'il est collabo, donc il soutient l'Allemagne, ce qui n'est évidemment pas ton cas. Et quand on lit ce chapitre, on se dit, mais en fait, pas du tout, c'est que Pétain a vraiment permis à la France, entre autres choses, il n'était pas le seul, mais de battre l'Allemagne. Exactement. Et en fait, l'histoire le retient comme la personne qui a collaboré. C'est d'une injustice incroyable. C'est une injustice. En fait, si tu ne comprends pas la définition du mot injustice quand tu ne connais pas la fin. Ah bah là, tu. Et tu ne connais pas aussi la définition du mot imposture. Parce que des impostures, mon Dieu. En fait, c'est infâme ce qui s'est passé en 1944. C'est infâme. Alors, tous ces imposteurs qui sont venus cracher au visage d'un vieillard qui était venu, qui s'est sacrifié pour sauver son peuple, c'est immonde. Mais je reviens à ta question. Oui. L'affaire Pétain est fondamentale car on rejoue 1789. Et parce que Pétain et Végan ont tordu le cou de l'anti-France. Et c'est ça qu'on leur reproche. Alors, oui. Parce que Pétain et Végan avaient cassé la dynamique révolutionnaire et ils avaient relancé la dynamique catholique de la France, si tu veux. Et c'est ça, tout n'était pas parfait hein, de ce point de vue-là. Mais le principal péché, c'est ça, c'est d'avoir voulu éteindre la République. Une chose que tu précises, et parfois un mot suffit à comprendre, vous savez, la démarche politique de Pétain, c'était appelée Révolution nationale, et au départ, Pétain voulait l'appeler Rénovation nationale. Tout à fait. Et quand il y a ce mot-là, on comprend ce qu'il a voulu faire, en fait, c'est évident. Sachant que Pétain avait parfaitement, enfin, avait à l'esprit aussi qu'il était important de re-christianiser la France. Dès 1938, il avait fait un discours dans lequel il disait que nos malheurs venaient de... J'ai plus la formule exacte, je crois que c'est l'oubli de nos valeurs spirituelles, quelque chose comme ça. Hein. Oui. Je l'ai pas cité dans le bouquin d'ailleurs, j'aurais peut-être dû. Mais c'est fondamental. Et tu sais, moi, avant que je... Enfin, quand j'étais encore du côté de la République, j'ai toujours essayé de comprendre ce qui s'était passé à Vichy, au-delà de la question de la collaboration. Je sentais qu'il y avait un autre paradigme qui était en œuvre, mais je ne le comprenais pas. Je me rappelle que j'avais acheté un ouvrage de Alain Gérard Slama qui s'appelait... Le siècle de Monsieur Pétain, où il parlait beaucoup de ça. Alain Gérard Slama, intellectuel de la Ve République, membre du siècle, mec, voilà. Mais qui m'avait énormément intéressé parce que il m'aidait à comprendre ce paradigme. Et au fur et à mesure, je l'ai détricoté. Sachant que pourquoi Pétain s'opposait à l'Axe et en quoi il était opposé à l'Allemagne nazie, il y avait d'une part, d'un point de vue militaire, mais surtout, Pétain était dans le vrai car sa logique, c'était. Ni proto-mondialisme anglo-saxon, ni axe. C'était France catholique. Et Pétain, tu veux résumer sa position, c'est ni axe, ni anti-France. C'est ça, tu vois. Et il a réussi ce numéro d'équilibriste qui, au final, a été balayé. Pourquoi ? Bah, à cause de Hitler. Parce que Hitler l'a fait arrêter par la Gestapo. Ouais. Qui sait aujourd'hui que Pétain s'est fait arrêter par la Gestapo, quoi. Ouais, parenthèse, quoi. On te le dit jamais. Ouais. Et en fait, il lui a vide du pouvoir. Et De Gaulle s'est engouffré dans ce vide du pouvoir. Mais si Pétain était resté à Paris, je ne sais pas comment l'aurait fait De Gaulle. Parce que les Américains n'étaient pas forcément chauds pour... Mais je crois que c'est un des domaines où il y a le plus de désinformation. Et c'est vrai que... C'est un euphémisme que de le dire. Moi-même, pourtant, je suis quand même nationaliste. Et avant de lire ce passage-là, vraiment, je n'aurais pas cru. Et pour moi, le truc le plus extraordinaire, c'est quand par ses talents de diplomate et sa psychologie avec Hitler... Il arrive à tranquilliser Hitler sur le front de l'Ouest. C'est un coup de génie, ça. Mais ça, c'est exceptionnel. Ce qui, en fait, tranquilliser Hitler se dit bon, maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la Russie. Alors que, de son côté, Pétain, avec ses associés, arrive à. Tout à fait. C'est incroyable. C'est-à-dire que les deux grands faits majeurs qu'on peut mettre à l'actif de Pétain, c'est d'une part d'avoir préservé l'Afrique du Nord. Hitler lui met un premier coup de pression le 15 juillet 1940 pour occuper l'Afrique du Nord. Il refuse. D'autres coups de pression se sont succédés. Pétain a toujours refusé, même s'il fallait avaler des couleuvres à gauche et à droite. Oui. Ça serait un petit peu long de le faire maintenant, donc je ne rentre pas dans les détails. Et puis de toute façon, je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Et puis dans le livre, il y a énormément de détails. Donc, premier fait qu'on peut mettre à l'actif de Pétain, c'est d'avoir empêché l'occupation d'Afrique du Nord par les Allemands. Et si les Allemands étaient en Afrique du Nord, autant te dire que le débarquement de l'opération Torche est quasiment impossible. Oui, hein, oui. Petite parenthèse. Hein. Bon. Et le deuxième fait d'armes qu'on peut mettre à l'actif de Pétain, c'est d'avoir tranquillisé les Allemands à l'Ouest pour leur dire on assure la défense de l'Europe à l'Ouest. La preuve, c'est que à Dakar, on a répliqué quand De Gaulle a essayé d'attaquer l'Empire. Et aussi,
on a répliqué à Marcel Kébir en envoyant une bombe sur Gibraltar, enfin des bombes sur Gibraltar, très peu, hein, c'était assez symbolique. Parce qu'on oublie de dire que c'est un petit peu un miracle que la France n'ait pas déclaré la guerre à l'Angleterre après le massacre de Marcel Kébir, où 1300 marins français ont été Oui. tués absolument inutilement. Donc, Pétain, suite à la réponse solide qui a été faite à l'opération Menace, où De Gaulle a essayé de s'emparer de Dakar, enfin, Pétain a pu arguer, si tu veux, de cette résistance à Dakar pour dire, vous êtes tranquille à l'ouest, maintenant, bah, Il a réussi vous à pouvez l'est. convaincre Alors, l'orage, y pas a pas que, totalement, mais y a pas que ça, si tu veux, mais ouais. disons que Pétain a pesé dans ce sens-là. Ça serait exagéré de dire que c'est 100% grâce à Pétain Non, que, c'est sûr. mais néanmoins, ça a Il y a eu joué. cette volonté de sa part. Ça a joué. Et il y avait en fait, si tu veux, aussi, il y a un truc très important dont tu veux parler, c'est que Pétain a tout fait pour éloigner les Allemands de la Méditerranée. Et notamment, il a fait échouer l'opération Félix en janvier 1941, qui consistait à attaquer Gibraltar, en fait. Alors, je rentre pas dans les détails, mais en gros, Pétain, Franco et Renzo Sawada, qui étaient l'ambassadeur japonais en France, et René Fonck, ont fait échouer cette opération et ont fait abandonner le plan de Göring, qui consistait en fait à conquérir, si tu veux, tout l'ouest de l'Europe et aussi même un petit peu de l'Afrique pour se blinder vis-à-vis des Américains, quoi. Et des Anglo-Saxons d'un point de vue global. Et c'est Pétain notamment, donc avec les autres protagonistes dont j'ai dit le nom, qui a fait échouer cela. Qui sait tout cela, quoi, aujourd'hui, enfin, tu vois, personne. Personne. Non, Alors c'est que clair. ça vaut des victoires militaires. C'est des centaines de millions de vies, milliers de vies, pardon, d'économiser. L'intelligence tactique est formidable. Les exemples que tu donnes dans le bouquin sont innombrables. Par exemple, tu expliques qu'à un moment donné, de l'armement doit arriver pour les Allemands en provenance de la France. Et en fait, Pétain fait communiquer les positions aux Anglais qui coulent les bateaux. Tout Et à fait. après, il fait l'innocent comme si, ah ben, désolé, le. C'est Sérigny qui raconte ça au procès Pétain. En Incroyable. fait, c'est parce que Weygand donc, était en Afrique du Nord, et c'est Weygand qui se chargeait effectivement de saboter. Mais tu vois, c'est pareil. Lisons l'histoire de ce qu'a fait Weygand en Afrique du Nord. Weygand est le premier résistant de France, quasiment. Et De Gaulle, en 44, le fait arrêter. Enfin, en 45, le fait arrêter. Et quand Weygand se fait arrêter, c'est par le général Delattre de Tassigny. Et le général Delattre de Tassigny lui fait rendre les honneurs militaires. Donc il faut savoir. Soit on lui rend les honneurs militaires parce qu'il a combattu l'Allemagne, soit on l'arrête parce qu'il est collabo. C'est là que tu vois C'est toute la sûr, ouais. mauvaise foi des C'est gaulo-communistes. La clair. mauvaise foi. Ce qui est, tu sais pourquoi moi aussi j'ai tant à cœur ce dossier? C'est que je ne supporte pas la mauvaise foi. Quand on me dit que 2 plus 2 font 5, je pète un plomb, tu vois. On Et est là, on tous nous dit 2 là. plus 2 fait 29, en fait. Là, tu vois, on n'est plus à 5, là. On est à 30, enfin, c'est même 18 000, quoi. C'est fou. Et on a toutes les preuves, hein, pour casser ce mensonge, et je le fais. Ce chapitre est un chapitre C'est TNT sûr. et je pense qu'il va rester. On voit aussi, bon là j'arrive pas à retrouver le passage, mais toute l'intelligence du maréchal, il a cette intuition quand Hitler attaque la Russie, il se dit, bon, l'Allemagne a perdu. Exactement. Immédiatement en fait, C'est normal parce que l'Allemagne a perdu en 14-18 parce qu'elle était sur deux fronts. Il s'est dit, elle est sur deux fronts. C'est mort. Alors, le chapitre se termine, pour ainsi dire, par ce que tu appelles la deuxième révolution française, et je voudrais que tu expliques aux gens ce que tu entends par là. Parce que moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait une deuxième révolution en Bah, 1944. c'est très simple. Alors, dis-nous ce que On c'est. revient à ma problématique initiale de ce choc entre les deux anthropologies. L'anti-France s'impose progressivement pendant le 19e siècle, et avec la Troisième République, là on y va, quoi, déchristianisation, etc., etc. Bon. Ceci nous conduit à la défaite. Les Français sont assommés, et beaucoup comprennent qu'il faut passer à un autre logiciel. Tout le monde ne maîtrise pas, ne conceptualise pas les choses comme je le fais. À l'époque, on est peut-être plus dans l'ordre de l'instinct, encore que pas de tout le monde, puisque le général Weygand, lui, avait parfaitement compris, puisqu'il fait une note le 28 juin 1940 où il explique tous ces problèmes-là, et où il explique qu'il faut revenir à, je cite, Dieu, je répète, Dieu, travail, famille, patrie. Et donc, Pétain et Weygand en 1940 détruisent l'anti-France. Ils détruisent la République des Lumières. Interdiction de la maçonnerie immédiate, tu vois. Consécration de la France au cœur immaculé de la Vierge, corporatisme, famille mise en avant de la fête des mères, on crée des délits d'abandon de foyer, tu vois. On durcit les conditions de divorce, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu es un homme et que tu abandonnes ta femme, phénomène qui aujourd'hui se constate, bah à l'époque, tu prends du ferme, quoi. C'est-à-dire que, donc, vraiment, une défense En de la particulier chez famille. les Scandinaves, c'est habituel. Tu sais mieux que moi, ouais, tu sais, ouais. Promotion, tu vois, donc des écoles libres, etc. On fait la paix religieuse en faisant revenir des religieux. Enfin, voilà. Donc on casse la dynamique révolutionnaire, on revient dans une dynamique française. D'accord?
Donc, vraiment, là, c'est 1789 à la poubelle, quoi. Et De Gaulle, quand il revient, bah, que fait-il? Il ressuscite la Il République. fait le contraire. Il fait le contraire. Il ressuscite la République et il casse la dynamique. Il casse la dynamique que Pétain avait enclenché. Alors que De Gaulle avait une formation extrême droite, il savait très bien que Pétain était dans le juste. Mais comme son orgueil Oui. était au-dessus des intérêts de la France à ses yeux, même s'il était sincèrement patriote, hein, j'en doute Oui, pas, oui. mais son Et amour pour lui-même était supérieur à son amour de la France. cette épuration assassine une seconde fois Tout à la fait. France. Alors en fait, l'épuration a été parfaitement consciente, enfin c'est un phénomène parfaitement conscientisé, si je puis dire, et elle vise à décapiter les notables. Il faut décapiter la France des notables, c'est-à-dire que nous sommes dans cette collusion entre l'anthropologie républicaine et l'anthropologie française. Cette anthropologie française conserve des places dans les hautes strates de la société, bah, il faut les virer. Et à la place, on va mettre des communistes, on va mettre ou alors des républicains un peu plus modérés, mais il faut qu'ils dégagent. Et donc, il y a eu un rabaissement. Enfin, de cette anthropologie française, on a décapité ses élites. L'épuration, c'est entre 10 000 morts et 100 000 morts. À la base, les chiffres qu'on donnait dans les années 40, c'était 100 000 morts. Plus on avance dans le temps, bien sûr, plus on réduit. Hein. C'est bizarre. Hein. Bon, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Et effectivement, donc, les élites françaises ont été domptées. Et puis, les élites fidèles à l'anthropologie française qui ne se sont pas faites assassiner ou qui n'ont pas perdu de position ont été, à défaut, intimidées. Et Bien elles ne l'ont sûr. pas ramené, bien entendu. Par peur, Tu bien vois, sûr. par exemple, le père de Madame Bettencourt, qui était un pétainiste, et qui était même un des mécènes de la cagoule, bah, après la guerre, il a pas Il défendu s'est ces idées-là, hein, non, tu vois. oui. Ce qui est rigolo, c'est aussi les Tettinger, qui sont une famille de milliardaires, qui ne sont pas, je suis désolé, qui n'ont pas juifs, hein, désolé, dans le Champagne, qui était donc une dynastie très très proche de Pétain, et ben l'héritière des Tettinger, elle s'est mariée avec Jouyet. Tu connais Jouyet, Non. le ministre de Ah, Sarkozy, pote de Hollande, d'accord. là, Ah oui. Jean-Pierre Jouyet, tu vois. Ok. Donc tu vois, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Bref, donc voilà, on a décapité la France des notables, que j'aimais tant. Tu sais que moi j'ai découvert cette France des notables dans les romans policiers de Gaston Leroux, d'Arsène Lupin. C'est cette figure du châtelain, tu sais, qui a une belle propriété en campagne et qu'on retrouve assassiné avec un poignard dans le ventre, tu vois. J'aime beaucoup, moi, tu vois, cette figure du châtelain français. Et donc cette France des notables a été Pour que les éradiquée. gens comprennent bien, en fait, à la fin de la guerre, lorsque la libération a commencé, Libération de l'Allemagne, mais pas de oui, la République, parce que voilà. nous vivons sous occupation républicaine, il faut le dire. Oui, c'est aussi une Enfin, pas que image qui républicaine, hein, frappe. mais aussi républicaine, tu vois. Oui. Eh bien, en fait, on a profité de ce flou, si vous voulez, pour faire tuer des gens qui n'avaient absolument pas collaboré, par exemple, Exactement, ouais. mais qui tenaient des places et qui étaient des catholiques, qui donc avaient une autre idée de la France. Tout à fait. Que des traîtres, hein, étaient tués, c'est vrai, mais l'immense majorité des personnes qui ont été exterminées pendant l'épuration sauvage n'avait rien à voir avec la collaboration. Et pour cause, pour vraiment collaborer, de toute façon, il fallait être à un certain niveau de pouvoir. Donc, évidemment. Sachant qu'il y a eu aussi une épuration légale, hein, petite parenthèse. Et quand même, tu vois, c'est là où le système est d'une mauvaise foi absolue, c'est qu'on fait de Pétain une ordure immonde, mais attendez, il a fait massacrer qui, Pétain? Il a fait massacrer qui? Moi, j'aimerais qu'on compare les CV, hein, au bout d'un moment, quand même, hein. Ce serait bien, hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais de toute façon, on va faire une Et petite pause. Mais avant cela, je voudrais. juste une Excuse-moi, je chose, t'en prie. l'une des morales de mon ouvrage, c'est aussi qu'on nous apprend à penser contre nous-mêmes. Tu vois? D'où l'intérêt de la couverture, où je démontre, où je pose que d'un côté est le bien et de l'autre est le mal, si tu veux. On nous a appris à penser contre nous-mêmes, d'où le titre d'ailleurs du livre. On nous apprend à voir notre histoire avec un prisme déformant. Eh bien, je pense que l'un des mérites de mon bouquin, tu vois, c'est de revoir l'histoire avec des bonnes lunettes. Oui. On va faire une petite pause, on va passer à la seconde partie, mais une chose m'est revenue, c'est très très important aussi. Tu rappelles ce qu'a été la résistance communiste. Et en fait, c'est quelque chose d'absolument essentiel, mais quand Ah je l'ai là. lu, je me suis dit, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais dit. Les communistes sont entrés en résistance, non pas quand la France a été envahie par les Allemands, mais lorsque l'Allemagne s'est retournée contre la Russie. Et pourquoi l'ont-ils fait et comment l'ont-ils fait? Bah, C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont ouais, fait par des méthodes terroristes exactement. qui devaient aboutir inéluctablement à des représailles. L'objectif étant que ces représailles dégénèrent et soulèvent la France encore plus, si tu veux, contre les Aux Allemands. Allemands, ils ont eu un comportement d'ordure, De c'est-à-dire que terroristes! de terroristes qui en fait ont tué des Allemands. Les Allemands se vengeaient bien sûr en prenant des gens au hasard. C'est monstrueux comme Ou combat. Et voilà. d'ailleurs, De Gaulle lui-même avait donné ordre de ne pas tuer de soldats allemands, hein, petite Oui. parenthèse, hein.
Oui. Non, mais tu précises bien que lorsqu'il y a eu des arrestations et des c'était de résistants communistes qui étaient allés trop loin et qui avaient commis des actes terroristes Il faut bien inutiles. comprendre une chose, c'est que la résistance communiste n'est pas patriotique, elle était C'est révolutionnaire. ça, c'est ça que je veux dire. L'objectif Oui. de la résistance C'était l'anarchie. communiste, c'était de renverser le régime de Vichy à la fin de la guerre. C'était ça Et l'objectif principal. finalement, tu as tout dit quand tu dis que ils ne sont pas entrés en résistance lorsque les Allemands sont Non. arrivés. Donc ils n'ont pas voulu défendre le pays, ils ont voulu défendre une idéologie étrangère À qui titre venait. individuel, il y a des communistes qui l'ont fait, tu vois. Oui. Mais le parti en lui-même, la structure, ne l'a pas fait. Bien au contraire. À la fin de l'année 1940, il y a un député communiste, il y a un ancien député communiste qui avait été dégagé du Parlement suite au pacte germano-soviétique, qui demande à Pétain de sa geôle, j'ai oublié son nom, on en reparlera parce que je reviendrai parler de Pétain, tu comprendras pourquoi, D'accord. qui demande à Pétain de témoigner au procès de Rion contre Daladier et Léon Blum. C'est extraordinaire. Ce sont enfin, la collaboration communiste, là j'ai pas les noms, mais t'as plein de gens qui ont des actes de collaboration évidentes, qui après ont eu des actes de résistance évidentes aussi, si tu veux. Mais la résistance communiste n'avait, enfin si tu veux, visait moins la libération du territoire que le renversement du régime, parce qu'on savait au bout d'un moment que l'Allemagne allait perdre. Et on voit que la plupart des victimes d'ailleurs aussi de la résistance communiste étaient des membres du gouvernement, enfin du régime de Vichy. Et aussi, il faut parler des maquis, parce qu'on encense toujours les maquis. Oui, c'est vrai, il y a eu des maquis admirables et nobles. Mais les maquis, c'était aussi des voleurs, des violeurs, c'était aussi des gens qui détruisaient les récoltes. Le gouvernement de Vichy a été obligé de faire une loi pour condamner à mort les gens qui détruisaient les récoltes. Sachant qu'on est à une époque où les gens crèvent de faim, les Français ont perdu en moyenne 10 kilos, il y a un blocus qui fait qu'on ne peut pas faire venir beaucoup de matières premières. Donc si tu veux, il y a vraiment des ressources limitées. Et dans ce contexte de ressources limitées, il y a des salopards qui n'ont rien d'autre à faire que de brûler des récoltes. Et on appelle ces gens-là résistants à la fin de la guerre, mais on se fout de notre gueule quand même. Et parmi ces gens-là, il faut le dire, il y avait beaucoup d'immigrés, polonais, pas que catholiques hein, d'ailleurs, forcément, et espagnols. Les étrangers ont énormément foutu la merde, je suis désolé de mon langage, à ce moment-là. Hein. D'accord. Et il faut faire aussi une contre-histoire de temps en temps un petit peu des maquis. Bon, écoutez, on va revenir dans une deuxième partie. On va notamment parler de catholicisme, de foi et aussi des lumières de philosophie. À tout de suite. Deuxième partie de Vive l'Europe, toujours avec Adrien Abouzi. Alors, on va rester bien sûr sur ton livre, il y a beaucoup à en dire. Je vous encourage encore une fois à le commander. D'ailleurs, à ce titre-là, tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui, en effet, oui. C'est-à-dire que le livre sur Internet est exclusivement en vente sur le site de la maison d'édition. On n'est pas sur Amazon et ce genre de structure. Voilà. D'accord. C'est une chose qui va changer ou ça va rester comme Non, non, a ça? priori, ça va rester comme ça. Forcez-vous à aller sur le site et commandez-le de cette manière, quoi. Amazon n'a pas besoin de nous pour faire des sous. Oui. Donc je mettrai un lien en fait dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé afin que vous le commandiez si vous souhaitez le lire. Donc, on va pas se mentir, dans ton bouquin, la foi catholique tient une place prépondérante. Et je voudrais qu'on parle un peu de ça, d'une manière générale, c'est-à-dire. Je parle assez peu du bouddhisme, c'est vrai. Ouais. Assez peu, je reconnais. Et on pourrait t'en faire le reproche, mais on ne va pas le Bah, faire. Parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport avec la France, a priori. Mais avant qu'on rentre dans le bouquin lui-même, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton chemin vers ça? C'est-à-dire. oh, c'est très très long. Ouais. C'est très très long. Ouais. Et puis tu sais, en plus, c'est quelque chose. C'est une pudeur. Enfin, tu C'est vois ce que je veux dire? intime, C'est ouais. super intime. Ce que je peux dire, c'est que c'était un long cheminement. Je viens pas du tout d'une famille, si tu veux, qui était catholique. Enfin, c'était une famille athée, quoi. Hein, sont très clairs, hein, même si c'est des ascendances chrétiennes et catholiques. Mon père est protestant, ma mère est catholique, mais ça ne veut pas dire grand-chose à cette échelle-là. Bon. Donc, c'est un long cheminement qui m'a fait aller vers le catholicisme. C'est un très très long cheminement. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on fait pour des raisons spirituelles, c'est-à-dire que le catholicisme, c'est la vérité. Désolé, hein. Le catholicisme, c'est la vérité, je le répète. C'est aussi le bien, si je peux m'exprimer ainsi, puisque c'est ce qui vise à faire gagner, enfin, à ce que les âmes aillent au ciel, quoi.
C'est la sanctification avant toute chose. J'insiste sur cette notion de sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est la lutte contre le péché. Et on essaie de tendre un maximum vers la sainteté. Pourquoi je dis ça? Parce que les conciliaires, qui ne sont pas catholiques à mes yeux, peut-être des catholiques d'intention, ils peuvent être catholiques de mœurs, mais ce n'est pas des catholiques d'un point de vue spirituel, puisqu'ils adhèrent notamment à toutes les hérésies de Vatican II, te disent c'est aimer, 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 aimer. J'écoutais, parce que j'essaie de comprendre les conciliaires, j'écoutais il n'y a pas longtemps encore une conférence d'un prêtre conciliaire qui disait que il faut aimer pour aller au ciel. Bah oui, c'est vrai, il faut aimer. Mais tu peux aimer ta femme, malheureusement, elle a trompé. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux aimer autrui et commettre X et X et Y péchés. Donc aimer ne suffit pas. Il faut se sanctifier. Et c'est par la sanctification qu'on peut gagner le ciel. Voilà, donc le catholicisme, c'est le sens de la vie. Puisque le sens de la vie, c'est quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie de Daniel Conversano, d'Adrien Bouzy et de l'humanité entière? C'est d'aller au ciel. Oui. C'est d'aller au ciel. Désolé, là, je blasphème pour beaucoup, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et moi, je plains les athées, quoi, vraiment, parce que quand tu es athée, la vie n'a aucun sens. Puisque tout ce que tu fais a vocation à disparaître et à être oublié. Mais un athée anticatho te dirait que c'est un sens artificiel que créent les catholiques pour donner un. Mais tu sais que l'athée, il en pense ce qu'il veut, je m'en complètement. Pas volontiers. J'en ai rien à cirer de ce qu'il en pense, ouais, tu vois. C'est non, mais problème. Si je parlais de ton chemin. Tu sais, on évoquait tout à l'heure les gens qui ont mauvais goût. Le mauvais goût, c'est aussi d'un point de vue spirituel. Hein. Donc si des gens ont des goûts de chiottes spirituellement et qui rejettent la vérité, c'est leur problème. Hein. Oui. Après, je les confie aux grâces du bon Dieu. Hein. Là, c'est vrai que j'abordais la question de manière très, très générale, mais. La question que je viens de te poser, c'est qu'on ne va pas se mentir, en France, les gens sont globalement athées aujourd'hui. Tout à fait. Même lorsqu'ils se prétendent catholiques, en général, ils ne pratiquent pas, ils ne sont pas vraiment des catholiques, ou alors c'est des catholiques modernistes, donc pas vraiment des catholiques, selon ta définition. J'ai plein de toi. Et quelque chose qui me réjouit, c'est que je constate une amorce de réévangélisation, de catholicisme réel, je ne te parle pas des conciliaires. Mais il y a aussi un travers que je constate. C'est que chez beaucoup de gens, pseudo-tradis, le catholicisme n'est que quelque chose d'intellectuel. Ouais. C'est-à-dire que ça n'engage pas les mœurs, tu vois, c'est-à-dire que j'ai raison d'un point de vue spirituel, donc je peux continuer à avoir des mœurs païennes. Et là où je veux en venir, c'est que le catholicisme chez beaucoup de gens n'est pas, comme je te l'ai évoqué, un marchepied vers le ciel, c'est une sociabilité. C'est ce qui me permet le dimanche d'aller voir les potes, tu vois, ou de sortir avec des gens, de me faire des nouveaux cercles d'amis et compagnie. Mais ce n'est pas tout ce que je t'ai évoqué, c'est-à-dire des sacrements pour remettre les péchés et pour se sanctifier. Voilà. Et quand tu es catholique, mais que tu n'as pas les mœurs qui suivent, pour moi, tu es un tocard, d'accord? Parce que moi, j'en veux pas à un païen d'avoir des mœurs païennes, c'est normal. En revanche, quelqu'un qui se dit catholique, qui conserve des mœurs païennes, pour moi, c'est un tocard. C'est clair. Ne te dis pas catholique si tu as des mœurs païennes. C'est tout. Il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas. Hein. Donc voilà, bon, moi, je préférerais que tout le monde le soit. Hein. Je pense que la Terre se porterait mieux. Mais voilà, donc... Ce qui est certain, c'est que tu penses que le catholicisme est un bouclier spirituel contre les méfaits de... En fait, le catholicisme... Ah bah, ça, c'est clair, oui. C'est clair. D'ailleurs, la République, ça charme depuis la Révolution... à tenter de le détruire. Et le catholicisme, il y a trois grands piliers dans l'anthropologie française. Il y a les racines de l'anthropologie celte, il y a la culture gréco-latine et il y a la spiritualité donc, catholique. L'ethnie, la culture et... Tu prends l'américanisation. L'américanisation se traduit notamment, j'en parle dans mon bouquin, par la liberté sexuelle. Liberté sexuelle, les gens sont tellement libres sexuellement qu'ils font plus d'enfants, hein, t'as remarqué. Et par une explosion de la décivilisation, si je peux dire ainsi, de l'incivisme. Quand tu es catholique et que tu es dans une logique de sanctification, donc déjà la liberté sexuelle à la poubelle, et tout ce qui consiste à être incivique, tu vois, par définition, je ne dis pas qu'un catholique ne peut pas l'être, c'est pas ce que je dis, mais tu as la boîte à outils pour ne pas l'être. Et si tu es cohérent, eh bien effectivement, il y a des choses que tu ne commets pas. Et donc, cette américanisation que l'on subit depuis des décennies, si tu as une anthropologie française et donc en partie catholique, eh ben, t'es totalement hermétique.
Et posons une question, pourquoi le catholique de base véritable, hein, je ne te parle pas des conciliaires et d'extrême droite. Il faut se poser la question, mais normalement. Tu vois? Et pourquoi le conciliaire de base, il est de plus ou moins de gauche, tendance, j'allais dire couille molle, hein, je suis désolé de mon langage, mais bon, voilà, on mettra un bip. Faut se poser la question, tu vois. Tous les grands patriotes français, on peut en voir quelques-uns là, notamment à droite sur la couverture de mon bouquin, bon bah ils n'étaient pas bouddhistes. Hein? Je suis désolé, ils n'étaient pas bouddhistes. Voilà, c'est comme ça. Alors beaucoup de gens buguent avec ça, mais j'ai envie de dire aux gens, il va falloir que vous sortez les doigts de là où je pense, parce que sans ça, il n'y a pas de France. C'est clair, hein? Il n'y a pas de France sans ça. Et on le voit, il n'y a pas de France. Et comment faire d'un peuple athée un peuple croyant? Par l'apostolat, comme on a toujours fait. Tu sais comment le christianisme s'est répandu à travers le monde? Principalement à travers l'exemple et le sacrifice. Eh ben on fera l'apostolat à travers l'exemple et le sacrifice, tout simplement. Voilà. Par l'apostolat. Et puis peut-être que le bon Dieu va nous donner des coups de main. Tu sais, à Fatima, le soleil s'est effondré. Et sachant que la Vierge avait annoncé que... il est se passé quelque chose, donc même des curieux étaient venus, hein, des libres penseurs comme on dit, et quand le soleil s'est effondré, tout le monde s'est agenouillé, et le lendemain, petite parenthèse, tous les journaux, même les journaux Framac au Portugal, évoquaient les faits, hein. C'est pas un truc de catho totalement inventé, bon, ouais. Donc peut-être que le bon Dieu, on sait pas, hein, peut-être que il fera un certain nombre de miracles qui fera que, mais moi je suis confiant, j'ai confiance en la Providence, j'ai confiance au bon Dieu. Le bon Dieu nous a promis le règne du Sacré-Cœur, je sais que le règne du Sacré-Cœur arrivera. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il faudra qu'on touche le fond avant. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que nous sommes sur une pente. On est sur la pente de la révolution, de l'athéisme, de la gnose, de la franc-poissonnerie, etc. Et ben, il faut aller au bout. Et tant que les gens valident ça, et ben, on ira au bout. Pourquoi on s'arrêterait? Pourquoi il n'y aurait pas le mariage gay? À partir du moment où le droit ne se pense pas par rapport au catholicisme, pourquoi il n'y aurait pas le mariage gay? Ben, je pose la question. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit le catholicisme devient référent dans le droit français, et dans ces cas-là, le mariage gay est interdit, est impossible. Soit on retire ce référent, et juridiquement, je vois pas ce qui s'oppose au mariage gay. Tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire. Donc, voilà, il va falloir que les gens fassent une révolution spirituelle. Et puis, moi, je vous le dis, quoi, le catholicisme, c'est le sens de la vie, et je dirais même c'est le goût de la vie. Parce que les vies païennes que la République nous a foutues dans le crâne nous font passer à côté de la vie. Ouais. Je le pense très profondément. Pourquoi tu emploies le mot païen? Parce que tout ce qui n'est pas catholique, c'est pas... C'est païen. Tout ce qui n'est pas catholique est païen. Pour un catholique, hein. Mais c'est du paganisme. Donc tous ces modes de vie païens, si tu veux, c'est mon point de vue à moi, mais nous font passer à côté de la vie. Par exemple, de la vraie vie familiale, tu vois. On nous a pas appris à avoir une vraie vie familiale. C'est monstrueux quand on y pense, quand même. Cette république est absolument immonde, quand même, de nous avoir imposé ça, de nous avoir amputé de ça. Bref. Qu'est-ce que t'as pensé quand tu veux dire vie familiale Tout à l'heure, je t'évoquais, par exemple, le régime... le régime, on évoquait le régime. Oui. Et, par exemple, tu vois, on a durci les conditions sur le divorce, c'est-à-dire qu'on plaçait la famille sur un piédestal. Au jeu, la République non seulement ne place pas la famille sur un piédestal, mais elle fait tout pour la détruire. Bah, tu veux bien le dire, aujourd'hui, les gens se prennent en selfie lorsqu'ils divorcent. T'as vu cette mode absolument incroyable, les selfies divorce. Ça va plus que ça. Ouais. Tu as vu les pubs de sites internet pour tromper, voilà. Moi, et ça se passe, je suis au pouvoir, ça se passe, le mec qui fait ça, il prend une ferme directe. Hein. Ouais. Parce que ça veut dire que ce mec-là, il participe à la destruction de foyers, ça veut dire qu'il détruit des enfances, ça veut dire qu'il détruit des éducations. C'est criminel, hein. Je suis désolé, c'est absolument criminel. Hein. Ouais. C'est un mal objectif qui est fait à la société. Il oblige certains hommes qui ne l'auraient pas forcément fait, ou certaines femmes qui ne l'auraient pas fait, pas oblige, mais il incite à tromper. C'est monstrueux. Je suis désolé, c'est absolument monstrueux. Hein. J'en profite pour dire qu'un jour je ferai une vidéo sur les femmes dont les parents sont divorcés, parce que de ma petite expérience, je peux vous dire qu'elles finissaient toutes cinglées. Toutes les femmes un peu dingues que j'ai rencontrées, j'ai dit mais en fait tes parents sont ensemble, non ils sont divorcés. Ah, okay. Tout est fait pour désacraliser la famille. Ouais. On détruit le rôle de la mère, on détruit le rôle du père, tu vois. On fait l'éloge des familles recomposées. Alors peut-être qu'il y a des familles recomposées qui sont heureuses, sans doute. Oui, mais ça n'a pas vocation à être la norme. Ça n'a pas vocation à être la norme, tu vois. Oui. On fait rien pour inciter... en fait, on diabolise le rôle de la femme au foyer. Alors que, je vais te dire, moi, j'ai la chance d'avoir des nièces. J'ai compris ce que c'était être femme au foyer. Je te rassure, je suis resté un homme. Hein.
Mais j'ai compris à quel point c'était vraiment difficile. Parce qu'on est constamment sur le Oui, c'est un feu. travail. On est constamment sur le feu. On a constamment peur que le petit fasse une connerie, qu'il mette un truc dans sa bouche, qu'il étouffe, ou je ne sais quoi d'autre. C'est un travail du quotidien, tu vois. Donc tout ce qui pourrait soutenir la famille aujourd'hui est moqué. Je dirais moqué quand il n'est pas détruit. Voilà. Et la famille, ça fait partie des valeurs à ressusciter, hein, je m'excuse, hein. Et on a besoin de familles catholiques en France. Et d'ailleurs, les catholiques, c'est les dernières familles nombreuses quasiment. Alors ça oui, ça je dois le Tu sais, quand tu constater. vas à la messe et que tu vois les files d'enfants, c'est vachement. D'ailleurs, je trouve ça super C'est touchant, moi. beau, c'est Je beau. trouve ça super beau. Les cathos Super beau. traditionnalistes n'ont pas besoin de conversano pour faire des enfants. Hein. Croyez-moi qu'ils n'ont pas besoin de conseils. Ils suivent Tout à les fait. dogmes et ils en font. Hein. Tout à Il n'est fait. pas rare de voir des. Je suis sincère avec vous. Hein, les seuls blancs que je connais qui ont plus de 5 enfants à moins de 30 ans, c'est des cathos traditionnalistes. Ça, je le Bah, reconnais. j'ai un de mes meilleurs amis, figure-toi, il a 12 frères et sœurs. Mais non. Tu vois? Ils votent tous bien Incroyable. en Ça plus. existe Donc, encore. En Ah plus. ouais! Alors, Adrien, question à 2 millions de sesterces. Comment se fait-il que l'Église a pu être noyautée comme ça de l'intérieur et qu'aujourd'hui on Alors a ça un c'est pape comme très ça? très très loin. À quoi hein? Qu'on ait un pape comme Un pape ça. conciliaire Un comme ça, tu pape as comme dit ça, d'accord, on est d'accord. Qu'on ait un pape conciliaire comme ça. Alors là je vais être très franc avec toi, c'est un très 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 long sujet. Il faudra que vraiment on fasse une émission entière là-dessus. En gros l'Église est attaquée depuis, depuis toujours de toute façon, puisque le diable a toujours voulu la détruire. Mais le Christ nous a prévenu, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc l'Église a toujours été attaquée. Mais ses assauts... si tu veux, les assauts du diable étaient toujours stoppés par les murailles de l'église. Donc le diable a dit, attaquer de l'extérieur, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc on va l'attaquer d'intérieur. Et donc il y a eu des offensives intérieures. Donc si tu veux, ça a commencé par Lamennais au début du 19e, Grégoire XVI l'a mis à l'amende avec l'encyclique notamment Mirarivos, que j'invite d'ailleurs les gens qui nous regardent à lire. Donc tu vois, il y a eu des offensives, ensuite il y a eu l'offensive libérale, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, qui a échoué grâce à Pie IX et Saint Pie X, qui sont deux champions de la foi. J'écrirai d'ailleurs un bouquin sur eux bientôt. Enfin, pas bientôt, mais je pense que ça sortira dans quelques mois. En fait, c'est pas un bouquin sur eux, c'est un bouquin sur la notion d'infaillibilité pontificale, parce que c'est absolument capital. Si t'as pas les idées claires là-dessus, tu n'as pas la boussole de la foi. D'accord? Donc, il y a eu ces offensives-là, et donc on résiste, on résiste, on résiste. Et ensuite arrive Vatican II, qui est l'ultime offensive qui réussit, si tu veux. Pourquoi ça réussit? Pourquoi ça réussit? Bah parce que tout simplement, les libéraux, petit à petit, ont réussi à s'imposer au sein de l'Église. Le bon Dieu nous teste. Il essaie de voir ce qu'on a dans le ventre quand son aide est, je dirais, un peu moindre. Et il essaie de voir dans quelle mesure nous sommes fidèles à lui. Et bah le résultat, il n'est pas très flatteur. Parce que le résultat de Vatican II, c'est des apostasies généralisées quasiment dans toute l'Europe occidentale, dans quasiment d'ailleurs, enfin partout dans les terres catholiques, quoi. Vatican II contient des hérésies objectives. Quand on nous dit, je suis désolé, mais qu'on a le même Dieu que les musulmans, c'est scandaleux de Alors là, dire c'est ça. C'est scandaleux. À moins que les musulmans aient un Dieu trinitaire et que des choses m'aient échappé. Je pourrais entrer dans des considérations théologiques un petit peu plus compliquées, les gens Alors là, capteraient c'est pas forcément. vraiment Mais ce que je incroyable. peux dire simplement, c'est que Vatican II, dans certains passages, et des passages qui sont catholiquement corrects, mais dans certains passages, est objectivement contraire à des encycliques papales précédentes. Donc il faut savoir, soit les encycliques papales ont raison, soit c'est Vatican II qui a raison. Le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, nous dit dans un de ses ouvrages que Vatican II est un contre-syllabus. Le syllabus qui est une encyclique capitale de Pie IX. Mais qui a raison alors? Je pose la question. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, la question ne peut pas être esquivée. Peut-être que je me trompe. Mais dans ces cas-là, il faut poser la question et il ne faut pas faire comme si elle ne se posait pas, car elle se pose. C'est dans Dei Filius, une des deux encycliques principales de Vatican I. La foi et la raison ne s'opposent jamais. Jamais. J'attribue aux mots leur sens. Je constate que Grégoire XVI nous dit que la liberté de conscience est un délire. Et je constate que dans Vatican II, on dit, oh, pas de problème, on peut liberté de conscience. Liberté de conscience étant précisé que c'est la liberté de la rédemption en vérité. Alors quand tu es catholique, hors de l'église, point de salut. Hein. Bon, voilà. Je m'emballe, je m'emballe. Mais en gros, l'idée, c'est que entre Tu Vatican II, t'énerves là, la entre température Vatican monte. II, si tu J'ai veux, rien fait et moi. certaines encycliques pontificales, il y a des contradictions. Alors peut-être que je me trompe. Mais si je me trompe, il faut m'expliquer pourquoi je me trompe. D'accord? J'aimerais qu'on m'explique pourquoi je me trompe et qu'on ne fasse pas comme si la question ne se posait pas. Un concile est infaillible. L'infaillibilité pontificale engage trois choses. Elle engage les conciles,
Elle engage. En fait, ça engage le magistère ordinaire et extraordinaire, si tu préfères. Magistère extraordinaire, c'est quand le pape définit quelque chose d'un point de vue des dogmes et de la morale, d'accord ? Et le magistère ordinaire, c'est l'enseignement de l'Église. Mmh. Donc, l'enseignement de l'Église est infaillible. Les conciles sont infaillibles, les encycliques et les documents officiels pontificaux sont infaillibles, d'accord ? Le concile Vatican II est censé être infaillible. Pourquoi dans le concile Vatican II, j'ai des choses qui sont contraires à des encycliques passées qui étaient infaillibles ? J'aimerais qu'on m'explique. Jamais dans l'histoire de l'Église, il n'y a eu de contradiction dans l'enseignement. Jamais. Et d'ailleurs, Grégoire XVI nous dit, c'est dans Mirari Vos que je citais tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de changement et d'altération dans la doctrine catholique. Pourquoi il y a des changements et des altérations ? J'aimerais qu'on m'explique. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, la question se pose. Et si il y a eu des apostasies généralisées, s'il y a quasiment plus personne dans les séminaires conciliaires, c'est pas pour rien. C'est qu'il s'est passé quelque chose, quand même, si tu veux. Mais alors, justement... Bon. Alors pourquoi, non pas d'une manière pragmatique, mais comment tu interprètes ça avec ton point de vue de croyance, c'est-à-dire spirituellement, comment se fait-il qu'il y ait cette chute ? Il y a plusieurs choses. Benoît XVI démissionne, on a un pape ensuite qui est 100 fois pire. Un pape conciliaire. Oui, oui. Non, moi je trouve très bien François, il fait son job de pape conciliaire. C'est le pire pape, c'était Benoît XVI. Hein. Hmm. Benoît XVI, il nous l'a mise, mais alors ? Il a sauvé Vatican II, Benoît XVI. Hein. Hmm. Benoît XVI est un pape hégélien. Antithèse, synthèse, Benoît XVI a été un des principes, enfin, a été, je dirais, un des principaux cerveaux de Vatican II. Faut le savoir, ça. D'accord. Puisqu'il était le conseiller du cardinal Frings, je crois, de mémoire. Benoît XVI était donc un grand défenseur de Vatican II. Mais il a vu les dérives, et il a vu que les choses commençaient à aller mal, et que ça allait finir par se voir un petit peu. Donc, il a fait le fameux motus proprio dont j'ai oublié le nom. Et il a sauvé Vatican II en faisant la réforme de la réforme. Dans les années 90, Benoît XVI faisait des conférences, y compris en France, où il plaidait pour la réforme de la réforme, donc la réforme de Vatican II, tu vois. Aller encore plus loin là-dedans, donc, du coup. Non, c'est faire il a fait thèse et antithèse, okay. Pour faire ensuite une synthèse. Donc ce faisant, il a redonné un petit côté, entre guillemets, pour me faire comprendre, tradit à l'Église, et il a mis un coup d'arrêt... ou plutôt de ralentissement au rouleau compresseur progressisto-conciliaire. Oui. D'accord ? Mais Benoît XVI n'a jamais éteint les fondements de tout cela, oui. Qui sont le concile, et ce qui en est suivi. Hein ? Bon. Donc, moi, ce que j'aime bien avec le pape François, pape conciliaire François, c'est que les choses se voient. Est-ce que tu entends le clergé, en France, à l'étranger, te parler de sanctification ? Est-ce que tu les entends te parler de la lutte contre le péché ? Est-ce que tu leur dis ce qui compte dans la vie, c'est pas le vivre ensemble, c'est que votre âme aille au ciel ? Pourquoi ces gens-là ne tiennent pas un discours catholique ? Je pose la question. Ouais. J'aimerais quand même avoir des réponses. Peut-être que je me trompe. Mais j'aimerais qu'on réponde à mes questions. Au bout d'un moment. Alors, à chaque fois que je parle... Alors, juste une chose. Ouais. L'explication, elle est très simple. C'est que nous n'avons pas été fidèles à notre héritage spirituel. Et tu sais qu'il y a le pape Léon XIII, une vision dans laquelle il a vu une discussion entre Satan et Jésus, dans laquelle le diable dit à Jésus, donne-moi 100 ans et tu verras, je finirai par l'avoir ton église. Et le Christ lui dit, bah écoute, on verra, je te laisse, tu peux tenter et on verra. Et si tu veux, ça c'est d'ailleurs une reprise, entre guillemets, de ce qui s'est passé avec Job dans l'Ancien Testament. Puisque au début de Job, enfin du livre de Job, le diable vient voir Dieu. Et il lui dit, tiens, au fait, ton fidèle serviteur Job, là, je vais le tenter, laisse-moi, en gros, le sabbater, hein, et on verra s'il t'est encore fidèle. Et ben, je vais te dire une chose, ce qui s'est passé pour Job, c'est ce qui se passe à l'échelle mondiale au niveau des catholiques, et ben, le résultat, il n'est pas flatteur pour nous. Parce que le résultat, c'est une apostasie, le résultat, c'est que tout le monde s'en fout de la sanctification, tout le monde s'en fout d'adhérer à des dogmes bidons, totalement bidons, tu vois. Et il n'est pas flatteur pour l'humanité, je suis désolé. Hein. Vraiment, là, on était en dessous de tout. On a été en dessous de tout. Et les malheurs qui nous arrivent, bah, je suis désolé, mais on les mérite. Alors, heureusement, le bon Dieu est miséricordieux. Après, ce que je veux dire, c'est quand même très grave d'avoir un chef spirituel qui inculte le contraire de ce qu'est la religion catholique. Ah oui, c'est pas le délire. Oui. À chaque fois que j'ai affaire à un vrai catholique, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ce qu'il y a pu avoir à une époque, c'est-à-dire plusieurs papes en même temps, passe-moi l'expression, parce que le si bon vous ne faites pas pousser votre chef à vous, comment les idées traditionnelles... On n'a pas les moyens matériels et humains pour ça, et le bon Dieu s'occupera de tout. D'accord. Le bon Dieu s'occupera de tout. Je ne suis pas inquiet de ça. On va souffrir, mais c'est une question de temps, ce n'est pas une question de finalité. Le bon Dieu nous a promis le règne du Sacré-Cœur, on aura le règne du Sacré-Cœur.
mais je sais pas comment ça se fera. D'accord. Voilà. En attendant, tu sais, il y a un ouvrage que je recommande, c'est le bouquin de Jean Vaquier, qui s'appelle La bataille préliminaire. Mmh. Il explique très bien ce qui relève de l'action divine, ce qui relève de l'action humaine, et ce qu'on a à faire d'un point de vue humain. Ouais. Donc lisez La bataille préliminaire de Jean Vaquier, c'est un petit bouquin, il est en PDF, vous le trouverez très facilement sur Internet. C'est même pas 10 pages. Mmh. Donc là, on n'a pas l'excuse de « j'ai pas de temps » et compagnie. Mmh. C'est le livre de Jean Vaquier, La bataille préliminaire, j'ai un petit mot pour en parler. Je ne dis pas « c'est un manuel contre-révolutionnaire », un manuel d'action contre-révolutionnaire, je dis, c'est le manuel d'action contre-révolutionnaire. Donc, intéressez-vous à Jean Vaquier. D'accord, très bien. Alors, bon, peut-être à attaquer un gros morceau, mais quand on parle de République des Lumières, bien sûr, on parle de... On a digressé, là, pardonnez-nous. Non, c'est moi qui t'ai amené sur ce terrain-là. Quand on parle de République des Lumières, qui a donné lieu donc, à l'anti-France, là, j'utilise tes termes, on parle, bien sûr, d'intellectuels, notamment de philosophes du XVIIIe siècle. Et je voulais te demander si quelle est ta position par rapport à la philosophie, à la démarche philosophique. Parce que lorsque tu as parlé de Descartes, j'avoue que j'ai un peu tiqué. Parce que je fais beaucoup de mal à l'humanité, Descartes. Mais alors justement, beaucoup de mal à l'humanité. Je voudrais que tu exposes ton point de vue là-dessus, parce que les gens ont du mal à. En fait, et moi, je m'inclus là-dedans. En quoi quelqu'un qui prône la raison et la rationalité peut être quelqu'un Mais l'Église a toujours prôné la raison. Hein. L'Église a toujours prôné la raison. Le plus grand exégète d'Aristote, c'est saint Thomas d'Aquin. Hein. Descartes n'a pas prôné la raison. Mais qu'est-ce que tu reproches à la démarche de Descartes, en fait ? Descartes a prôné une raison qui déborde de son vase. Ouais. C'est ça que je lui reproche. Et en fait, Descartes, si tu veux, a contribué au mouvement d'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme a commencé avant Descartes. L'humanisme a commencé avant Descartes. Mais Descartes a poussé cette logique anthropocentriste, oui, je dirais à son paroxysme quasiment, puisque Descartes, qu'est-ce que c'est ? Descartes, c'est le doute. Descartes doute de tout. Ceci est peut-être une voiture. J'ai l'impression que c'est un verre, oui. Mais Descartes va te dire, c'est tu peux douter, hein. Mm-hmm. C'est peut-être une voiture, tu vois. Ouais. Ou alors c'est peut-être un aspirateur, on ne sait pas. Hein. Mm-hmm. Ou un cocotier, tu vois, ça peut... Donc Descartes doute de tout. Mm-hmm. Moi, j'ai aucun problème avec le doute, à condition que, une fois que j'arrive à la certitude de la vérité, et à l'évidence de la vérité, je pose la vérité comme vérité. Mmh. Descartes, c'est le doute absolu. Donc Descartes, lui, en fait, si tu veux, il doute de tout, tout le temps, surtout. Mmh. Il doute de tout, sauf d'une chose, c'est qu'il existe. Oui. La preuve, c'est qu'il doute. Si je doute, c'est que j'existe. Et tu sais, il y a la fameuse phrase de Descartes, « Je pense, donc je suis. Mmh. » On ne lui attribue pas son sens véritable. « Je pense, donc je suis », ça sous-entend que pour être, il faut penser et donc être intelligent. Mmh. C'est pas ça que ça veut dire « Je pense, donc je suis ». C'est-à-dire « Je pense », c'est donc la preuve biologique, physique, matériel, que j'existe. C'est ça que ça veut dire. Et donc, la vérité première pour Descartes, ce n'est plus la révélation, mm-hmm. Ce qu'on appelait la cause première en philosophie. La cause première avec Descartes, c'est j'existe. En fait, la cause première, c'est moi. Mm. C'est mon petit moi. Voilà. Donc même à travers la preuve de l'existence de Dieu qu'il a essayé de non, mettre non, en non, avant, non, tu attends, penses attends, que... Attends. En fait, je pense que Descartes est un athée qui l'a dit avec les mots de l'époque. Non, finalement. Non. Descartes, ouais. Descartes nous dit... C'est dans les de mémoire, c'est dans les méditations métaphysiques. Oui, oui. Il est important de démontrer rationnellement l'existence de Dieu. Oui. Non. Quand tu as la révélation, non, je suis désolé. Donc s'il fait ça, c'est qu'il a un dessein autre. Et admettons qu'il n'ait pas ce dessein autre, oui. Il n'a pas mesuré la portée de ses propos, et sa philosophie est coupable pour moi. C'est tout. Oui. Et qu'on ne nous dise pas que Descartes a inventé la raison, c'est absolument faux, quoi. Tout le temps. Mais même dans le. C'est dans le. Toi, tu ne comprends pas, on est très haut là, mais tu comprends pas la volonté scientifique d'essayer de prouver ce qui ne se voit pas. Mais bien sûr que si, je la comprends. En quoi c'est pas ça, Descartes. Mais en quoi est-ce un défaut humain ? Mais parce que quand tu auras compris. Mais c'est pas ça le défaut de Descartes. Parce que Descartes, quand tu auras compris le truc démontré scientifiquement, il va te dire mais attends, c'est un aspirateur. C'est peut-être un aspirateur, ce verre-là. Ouais. C'est ça. Le cartésianisme, c'est le doute total. Ouais. Et c'est le doute total qu'on tente de compenser par un surcroît de raison. Mmh. Et on n'explique que le monde par la raison. Non, il faut articuler pour comprendre le monde, il faut articuler la raison et la foi. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on ne te vend que la raison et ouais. On a une société d'abrutis. Hein. D'accord. Il faut le dire. Hein. Toujours pour rester sur le terrain de la philosophie, moi je suis un amateur de la culture et de la philosophie grecque. Tu ne penses pas ça n'a rien à voir. Non, mais justement, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les Lumières, mais est-ce que tu ne penses pas qu'une morale non catholique peut exister ? Tu penses qu'une morale est forcément catholique ? Parce qu'on ne peut pas dire que les Grecs n'avaient pas de morale. Ils ont une morale avec 50% de la population réduite en esclavage. Oui, ils ont une morale, ouais. Oui. Mais nous, on n'a pas celle-là. Le bien que moi, je défends, c'est le catholicisme, tu vois.
C'est tout. C'est donc d'autres sociétés ont sans doute leur morale, mais la vraie justice est dans le catholicisme. C'est évident, tu vois. Enfin, pour moi, c'est tellement évident. Et on voit bien qu'en France, dès qu'on a desserré l'étau, enfin, tu vois, le résultat, quoi, tu vois. Gay Pride, théorie du genre, tout ce dont on a parlé précédemment sur la destruction de la famille, enfin voilà, j'en passe des meilleurs, quoi. Mais là, en fait, je te rentre dedans à dessein parce que ça Mais permet. fais donc. Non, mais faut que tu comprennes bien ma démarche, c'est que les gens doivent comprendre quelles sont exactement tes thèses. Par exemple, ça peut Ah, paraître. c'est pas une opinion personnelle que j'aimais, Non, quoi, mais c'est ça. en tant que C'est la catholique. doctrine de l'Église, hein. D'accord. Mais c'est vrai que c'est important que tu expliques, Laurent, la démarche de l'encyclopédie. Concentrer tous les savoirs dans un livre. C'est pas ça la démarche d'encyclopédie. Alors, qu'est-ce que C'est pas c'est? ça. C'est concentrer tous les savoirs sur l'unique base de la raison. C'est Oui. pas la même chose. Oui. C'est pas la même chose. Tu vois? Et petite parenthèse, ce qui les dérangeait, les encyclopédies. Moi, je l'ai pas eu l'encyclopédie, hein, c'est un ouvrage comme ça. Hein. Et la vie trop courte, hein, de toi, moi. Hein. Mais, comment te dire? Comme dit la formule, j'ai pas fini Proust. Mais, bah. Bien cette phrase. J'ai pas fini Proust. Personnellement, j'ai pas fini En plus, c'est pas vrai, j'ai quasiment terminé Proust, parce que D'accord. Proust est un super écrivain bien meilleur que Oui, Céline, soit dit en passant. c'est vrai. Je disais quoi là? Oui, l'encyclopédie. Oui, donc l'encyclopédie, c'est un savoir sélectionné partiellement par des gens intelligents mais à l'esprit déformé et qui ne se servent que du prisme de la raison. Or, le prisme de la raison est insuffisant, car certaines choses, je suis désolé de le dire aux gens qui nous regardent, il y a des choses qui dépassent la raison. D'accord, mais quand on parle d'encyclopédie, la démarche, enfin l'idée, c'est construire les savoirs. Et le savoir, c'est remonter l'échelle Oui, des causes et mais des conséquences. tu sais, C'est Daniel, logique qu'il n'y ait t'es un pas. garçon intelligent, on vit sous la Ve République. Oui. Quand Manuel Valls te dit qu'il va défendre les intérêts de la France, est-ce que tu crois Manuel Valls? Question bête. Hein. Ou quand Ah non, mais Macron, j'ai quand compris. Toi, Jupiter. tu veux dire que Diderot et d'Alembert avaient été mal intentionnés, c'est ça que tu veux dire. Bien De toute sûr. façon, c'était des athées revendiqués, ça c'est une réalité. Oui, je confesse, oui, en effet. Oui, c'était des athées revendiqués. Je crois que, je sais plus, Rousseau, quand il rencontre Diderot, il se dit, j'ai jamais vu un mec aussi athée, c'est impressionnant Tout pour à fait. Bon, l'époque. sachant que Rousseau, ça foutra la poubelle aussi. Hein, mais. Oui, c'est vrai, tu l'as mis de ce côté-là. Alors c'est drôle parce que tu m'as fait rire dès la couverture, mon petit Adrien, parce que tu mets Rousseau et Voltaire. Alors c'est drôle parce que d'habitude les gens opposent Rousseau et Voltaire, chacun à son Mais préféré. Alors lui, les deux à la poubelle. Alors c'est fini. Daniel, Staline et Trotsky, ils s'opposent aussi. Reste que ils s'opposent dans le cadre d'un système qu'ils partagent. D'accord. Voilà. Rousseau et Voltaire ont perpétué l'anthropocentrisme. Rousseau et Voltaire ont été pour le tabula rasa. Ils ont été pour l'abolition du passé. Ils ont été pour la création de l'homme nouveau. Après, ils sont pas d'accord sur les modalités, mais peut-être même sur les finalités. Mais ils ont fait avancer les choses dans le même sens. D'accord. Tout à fait, oui. Alors, Et je d'ailleurs, comprends. les révolutionnaires de 89 ont honoré les deux, hein, petite parenthèse. Ça, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, oui, on les associe en général. Et d'ailleurs, ils sont dans le même dépotoir, dans le 5e arrondissement. Je continue un peu de me faire l'avocat du diable. Donc, C'est le cas de le dire. oui, j'emploie l'expression à dessein. Donc, tu dis qu'évidemment, la République s'oppose à l'ordre naturel. Donc, en tant qu'homme de Aïe. droite, je comprends tout à fait que l'ordre naturel a un effet structurant sur la société et fait des sociétés fonctionnelles. Mais est-ce que, comment dirais-je, la dose d'égalité, voire même, selon vous, d'égalitarisme, qui a injecté un peu la République, n'a pas permis, par exemple, à des gens comme moi, qui sont issus de familles prolétaires, bah, d'accéder, par exemple, à la connaissance? Mais tu t'es dit que ça n'existait pas sous l'Ancien Régime? Bah, je ne sais pas. Oui, effectivement, tu sais pas, oui. Mais Toi, tu penses que. Non, mais tu vas pas quand même nous faire croire que les paysans étaient des gens cultivés. Mais attends, déjà, il n'y a pas les mêmes moyens technologiques qu'aujourd'hui. Et tous les bienfaits du capitalisme qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à une chose, le pétrole. D'accord? Parce que tu enlèves la productivité de nos économies qu'on a grâce au pétrole, tout ça n'existe plus. Donc la connaissance que tu as, toi, c'est pas la République qui te la met entre les mains, c'est la République qui t'a greffé un cerveau. Bon, perso, c'est pas elle, hein. Tu vois, je sais pas comment ça fonctionne pour les gens qui en ont un. Non, mais un rationaliste athée te dirait que c'est en détruisant l'ordre naturel qu'on a permis en fait au savoir de se développer pour en arriver à Internet, à tout ceci. Est-ce qu'une société catholique l'aurait Et permise? bien qu'on me démontre que c'est le cas. Moi, je vois pas le rapport à titre personnel, tu vois. Je ne vois absolument pas le rapport. Tu penses que si Louis XVI n'avait pas été décapité, que la royauté aurait Donc ça veut dire que continué, si la royauté aurait continué, on n'aurait pas découvert le pétrole, quoi. C'est ça qu'on est en train de me soutenir, quoi. Ben, je ne sais pas. Ah mais je veux bien, mais faut qu'on me le démontre, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut pas confondre la causalité et le fait que quelque chose, tu vois ce que je veux dire, se cohabite temporellement parlant, si tu veux. Mais la méritocratie sous l'Ancien Régime, ça existait, hein. Je suis désolé de le dire, hein. Notamment, tu sais, le barbier de Louis XI, Olivier Le Dain, a été anobli. Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Et notamment, la méritocratie se faisait à travers l'Église, en soit dit en passant.
En outre, tu me parles du fait que le savoir soit répandu. Ah bon? Non mais attends. Première nouvelle. Attends. Les gens font ce qu'ils veulent après, mais s'ils le désirent, ils peuvent accéder à la connaissance. Oui, mais c'est pas dû à la République. Ça n'a jamais été aussi facile. C'est dû aux moyens technologiques. Oui. Et c'est pas la République qui a inventé Internet, hein. Sauf de ma part. Hein. D'accord, ouais. Donc toi, tu ne crois pas du tout, soyons clairs, que l'évolution des sociétés occidentales vers une espèce de d'athéisme global, rationnel, parce que les scientifiques sont des gens rationnels, etc. C'est pas ça qui a permis, on va dire, au savoir de se généraliser. Mais en quoi le catholicisme empêche le savoir de se développer? Tous les grands navigateurs qui ont découvert que la Terre n'était pas plate, désolé, hein, la Terre n'est pas plate. Ouais. Tu feras beaucoup de déçus. Ils étaient catholiques. Hein. Ouais. Tous les curieux, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, quels sont les arguments qu'on a pour plaider ça? Moi, je suis avocat. Hein. Moi, il faut des choses dans le dossier. Si t'as pas de pièces dans le dossier, il vaut rien. Moi, si je me pointe devant un juge et que mon dossier il est vide, il me dit, monsieur, maître, vous êtes très sympathique, mais je peux pas vous donner raison parce que votre dossier il est vide. Je suis pas un gauchiste hurleur, mais lorsque Galilée va expliquer que la Terre est ronde et que... Je connais pas c'est pas ça le problème, hein, de Galilée. Bon. C'était pas ça le problème de Galilée. Le problème de Galilée, c'est que, déjà, petite parenthèse, c'est pas Galilée qui a dit que la Terre était ronde en premier, c'est un catholique polonais qui était religieux, je crois, Copernic. Alors pourquoi Copernic n'a pas d'emmerde et Galilée en a? Parce que Galilée, je vais te dire, je connais pas le dossier à fond, mais je crois de mémoire que Galilée voulait fonder certains points de sa théorie sur les évangiles ou sur les écritures, de mémoire. C'est pour ça qu'il s'est fait emmerder. Mmh. Et c'est pas pour le fait que la Terre soit ronde, tu vois. Le fait que la Terre soit ronde, ça a été admis très tôt. Je veux dire, c'est des Portugais et des Espagnols qui ont découvert le Nouveau Monde, tu vois. Bon, bah, c'est pas des Chinois, tu vois, qui ont fait le tour comme ça du monde et qui sont venus en Europe. Moi, j'aimerais qu'on me démontre que le catholicisme a stoppé le progrès technologique. Et je vais aller au bout de ma réflexion. Pour moi, le progrès technologique, c'est quelque chose de neutre. Après, la question qui se pose, c'est ce qu'on en fait. Ouais. Ce qui compte principalement une société, c'est pas progrès technologique ou pas progrès technologique. Ce qui compte, c'est est-ce que la société s'organise pour que les âmes aillent au ciel, tu vois. C'est ça. Si ton progrès technologique, il sert à te damner, eh ben moi, je conseille à chacun de s'en détacher, tu vois. Oui. Donc, la technologie, c'est un moyen. C'est uniquement un moyen. Ce n'est qu'un moyen. Ce n'est ni bien ni mal, sous certaines réserves, hein, parce que je ne te parle pas de la bombe atomique quand je te dis ça. Hein. Mais c'est un moyen. Oui. Donc maintenant, moi, j'aimerais qu'on me démontre en quoi le catholicisme a empêché le développement technologique. Le développement technologique, il y a eu deux coups de turbo, si tu veux. La machine à vapeur et le pétrole. Oui. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on m'explique, qu'on me démontre que la machine à vapeur qui a été découverte au XVIIIe siècle par James Watt, j'aimerais qu'on m'explique en quoi la religion chrétienne a empêché les siècles passés de l'inventer. Si on me l'explique et qu'on me le démontre, je m'inclinerai devant les faits. Mais si on me le démontre pas, je dis, bah, c'est ce que vous me racontez, n'importe quoi. Et c'est pareil pour le pétrole. Enfin, je veux dire... C'est marrant parce que tu prends quelqu'un comme Louis XVI. Louis XVI est très porté justement sur la technologie, les technologies nouvelles, etc. C'est pas un hasard si l'armée française est la première armée au monde à avoir utilisé la montgolfière. Tu vois, c'était pendant la Révolution, et la Révolution c'est juste après l'Ancien Régime, c'est pas 50 ans après, tu vois. Donc, si on me le démontre, moi je veux bien, mais tant qu'on me l'a pas démontré, eh ben moi, c'est mon côté avocat, c'est inopérant à mes yeux. Voilà. Parce qu'en fait, je tourne un peu autour de ma vraie question depuis quelques questions et qui est la suivante. Bon, encore une fois, c'est est-ce que ce rationalisme à la grecque qui a été le noyau intellectuel de l'Europe à une époque ne s'oppose pas? L'Église n'a aucun problème avec le rationalisme à la grecque. Le plus grand exégète d'Aristote, c'est saint Thomas d'Aquin. La raison de Descartes, c'est pas la raison des Grecs. Hein. Oui. Ça n'a strictement rien à voir. L'Église a toujours, toujours incité à lire certains. Philosophes grecs, pas tous, certains, notamment Aristote. Elle l'a toujours fait. Elle l'a toujours fait. Parce que moi, le thomisme a pour base Aristote. D'accord. Moi, j'ai dans l'idée que si tu... Désolé, en fait, je te dis ça parce que je sais pas pourquoi, en lisant ton livre, et c'est la partie sur la philosophie, je réfléchissais à ça, je me disais que si tu rencontrais Aristote, il t'agacerait. Non. Parce qu'à chaque fois, il poserait la question. Par exemple, tu dirais, bah, la France va s'en sortir, je le sais. Il dirait, prouve-le. Non mais attends, je vais à chaque fois en fait, il te... Là tu me... Ben, je lui prouverai sans aucun problème, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je lui disais, d'ailleurs, cher ami, vous pouvez lire ce bouquin, vous aurez des éléments de réponse. Mais tu amalgames deux choses. Oui. La philosophie pré-chrétienne et post-chrétienne. Oui. La philosophie post-chrétienne, à partir du XVIe siècle, a un objectif.
déconstruire l'ordre chrétien. Aristote, c'était pas son sujet, par définition, puisque le catholicisme n'était pas arrivé. Mais elle n'a pas le même objet. Et on peut pas mettre sur le même pied des gens comme Descartes, ou comme les Lumières, ou comme d'autres penseurs qui sont arrivés par la suite, qui ont un seul et unique objectif, qui est la destruction du reliquat du christianisme dans nos sociétés, avec des gens qui se posaient des questions de base. Tu vois ? Donc, c'est absolument pas comparable. C'est comme si, enfin, c'est pas parce que des gens sont écrivains que les écrivains vont tous dans le même sens. Les philosophes ne vont pas dans le même sens, tu vois. Et moi, je dis toujours, en philosophie, concrètement, à partir du 15e siècle, il n'y a pas grand chose à retenir. Hein. Franchement, il n'y a pas grand chose parce que toute la philosophie a consisté à détruire l'ordre chrétien et l'ordre naturel, quoi. Cite-moi aujourd'hui des philosophes catholiques, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a même zéro, je pense. Justement, c'est pour ça que. Et la finalité de ça, c'est Onfray, tu vois, qui est dans cette logique de jouissance, ultra 68 heures, etc. Alors, Onfray, c'est incroyable, il a dit. Alors lui, enfin, on est délivré, il a dit le grand remplacement, ça existe, mais tant pis. Bah, c'est ça qu'il a dit. Onfray, si tu veux, il veut rallier des suffrages du pays réel en faisant le constat, ce que ne fait pas ce que ne font pas les gens de gauche de base, puisque leur grand remplacement n'existe pas, donc Onfray le fait. Et en même temps, il veut se concilier les gens de gauche en disant « Ah oui, mais par contre, rassurez-vous, c'est génial, c'est fantastique. » Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une tentative d'aller à tous les râteliers. Mais ne parlons pas d'Onfray, quoi. Non, c'est vrai. C'est un personnage totalement secondaire, sympathique sans doute dans la vie privée, mais je parle au public, je vous mettrai un lien vers une vidéo d'Onfray avec cette insupportable Yann Barthès. Une vidéo assez ubuesque en fait, où il parle du grand remplacement. Enfin, on en parle à la télé, alors c'est admis. Ok, il y a un grand remplacement. Et Onfray essaye d'expliquer avec de la pseudo-philosophie que c'est pas grave, qu'on ira quand même sur la Lune, mais qu'on aura juste des têtes de Scandinaves. Bah, c'est vrai que c'est pas grave pour lui, parce que je crois qu'il habite à la campagne. Ah non. Et donc, il n'est pas au contact de la réalité qui n'est pas grave. Sauf que le problème, c'est que tous les gens qui vivent à côté de la réalité qui n'est pas grave, ils trouvent qu'elle est grave. C'est vrai. C'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre que tous les gens qui sont immigrationnistes en France soient des bourgeois blancs qui vivent entre bourgeois blancs. Hein, globalement, hein, globalement. Non, mais c'est pur hasard. Et c'est quand même bizarre que dans les années 90, il y a 20% de FN dans le 93, et que 20% après, il y a quasiment zéro parce que tous les blancs sont barrés. Ouais. C'est quand même bizarre. Hein, c'est quand même bizarre. Alors, dans la dernière partie de l'émission, on va aborder les... Parce que ton bouquin n'est pas seulement en fait un bouquin historique, il propose également des solutions dans la dernière partie. Ça aussi, ça change un petit peu de l'habitude un peu qu'on a dans le milieu dissident de macérer comme ça des vieux trucs et de ne pas en fait aller de l'avant. Et parmi ces solutions, il y a donc évidemment donc se réarmer spirituellement. Donc soyons très clairs, c'est la base. Se refranciser par le catholicisme. Pas que, hein, mais notamment parce que j'ai une dimension culturelle aussi. Mais c'est la base. T'as pas ça, tu n'as pas l'aide de Dieu et si tu ne combats pas pour la vérité, pour le bien. Bah, au final, tu patauges. Hein, tu patauges. Mais je t'ai coupé. Non, mais je t'en prie. Le deuxième point, c'est que sur quelques pages, tu montres qu'effectivement, une des solutions pourrait être d'habiter à nouveau en campagne. Et pour ça, tu précises bien que la seule possibilité existante, ce serait de créer une économie de vie. C'est-à-dire que c'est plus large que ça. Je fais un parallèle entre notre époque et les dernières décennies du 18e siècle. Et je fais un parallèle entre le processus révolutionnaire tel qu'il s'est développé à l'époque. Et tel qu'il s'est et ce qui se passe aujourd'hui. Je démontre que, enfin, c'est pas moi qui le démontre, c'est Augustin Cochin et François Furet ont montré que le processus révolutionnaire a eu plusieurs étapes. Première étape, il faut ce que François Furet appelle la disponibilité du corps social, c'est-à-dire on a des institutions mais qui ne jouent plus leur rôle. C'est notre cas. La police ne fout pas en taule les racailles, l'État ne défend pas nos intérêts, l'Église, pseudo-Église de France, ne cherche pas à envoyer une somme sociale, etc. Bon. Deuxième étape, il faut que les éléments montants de la société soient bloqués. Oui. C'est le cas. La jeunesse française est totalement bloquée. J'ai beaucoup de pages dans mon ouvrage où je décris la souffrance de la jeunesse française. C'est vrai. Troisième étape, il faut créer une légitimité politique. Qu'est-ce qu'une légitimité politique? C'est une pensée politique qui est c'est le terme d'Augustin Cochin, qui est socialisé, qui est partagé. C'est le cas. Nous avons une légitimité politique. Tu ne peux pas être dissident aujourd'hui si tu es pro-Union européenne, pro-immigration, anti-catholisme, etc. Bon. Ensuite, quatrième étape du processus révolutionnaire identifié par François Furet, il faut créer des réseaux puissants en dehors de l'État. Et là, ce n'est pas le cas. Parce que
cette dissidence qui est née, cette nouvelle opinion publique qui est née, pour l'instant ne touche pas les élites françaises, ou très très peu. Bon. Et ce que t'explique François Furet, c'est que l'ancien régime est tombé, parce que dans les dernières décennies du 18e, c'est parce que j'ai bu trop de jus de pomme, il y a eu un combat entre deux sociétés. Oui. La société issue d'ancien régime, mmh, et la contre-société issue des sociétés de pensée. Ouais. D'accord ? Et donc, c'est l'émergence, c'est ce conflit qui a accouché in fine, d'un point de vue matériel, de la Révolution française. Mmh. Bon. Indépendamment des questions spirituelles, j'essaie de comprendre comment matériellement on peut s'en sortir. Ouais. Mais je constate, c'est quand même un fait extraordinaire, que les trois premiers processus de changement de pouvoir se sont produits. On a une légitimité politique. Personne ne l'avait venir, tu vois. Bon. Maintenant, il faut passer à la phase supérieure, qui est celle de la constitution de la contre-société en dehors des réseaux de l'État, que j'appelle dans mon bouquin le pays français. Et ce pays français, il a des dimensions médiatiques que tu incarnes, que Méta TV incarne, que Méridien Zéro incarne, que d'autres incarnent. Il a des dimensions politiques que je peux incarner, hein, politiques, doctrinales, etc., ou que d'autres incarnent. Il a une dimension économique, je parle aussi de solutions économiques dans mon bouquin, et il a aussi une dimension géographique. Et de toute façon, nous serons poussés à ne plus vouloir vivre ensemble. Oui. D'accord ? Imaginons que les transferts sociaux diminuent en France. Qu'est-ce qui se passerait ? Les transferts sociaux diminuent. Il y a moins d'aides sociales qui vont vers certaines, oui, populations d'origine suisse notamment, et vénézuélienne. Qu'est-ce qui va se passer ? Certaines populations vont retrouver un instant de razzia. D'accord ? Et la délinquance qui n'existe pas, bien entendu, officiellement, que nous subissons, va multiplier par 10. Mmh. Bon, par 100 peut-être. Parce que certaines personnes n'ont aucune limite morale. Hein. Mmh. Bon, bah, dans ces cas-là, il faudra quand même... on n'est pas suicidaire. Donc il faudra aller autre part. Et il faudra refaire société ailleurs. Et ailleurs, ça peut être notamment, potentiellement, effectivement, les campagnes. Donc je ne parle pas du retour à la campagne pour le retour à la campagne. Mmh. J'en parle dans une logique un peu plus globale de constitution de cette contre-société de ce pays français. J'évoquais Jean Vaquier. Jean Vaquier nous dit le règne du Sacré-Cœur ne se fera pas à partir de rien, il se fera sur la base de petits riens. Mmh. Eh bien, nous devons constituer des petits riens, des réseaux économiques, des réseaux médiatiques, des paroisses, des familles, etc., qui reposent sur des fondements justes, car la République nous empêche de reposer sur des fondements justes et vrais. Mmh. D'accord ? Donc, c'est dans ce cadre-là que j'évoque ceci. Je n'invite pas tous les gens à partir à la campagne. Mmh. Mon propos est, j'espère, un peu plus compliqué. Je comprends, oui. Tu fais une distinction. À titre personnel, moi, je ne peux pas partir à la campagne, parce que tout ce que je fais est à Paris. Et tout ce que je fais pour la cause, je m'excuse. Mmh. J'ai beaucoup de défauts, mais moi, je me bats pour la cause. Je le fais à Paris, mmh, tu vois. Mais en tout cas... En tout cas, l'idée que tu proposes n'est pas un repli individualiste, mais simplement, c'est une possibilité, en fait, de créer une contre-société pour mener à mal l'anti-France, on va dire, sans être sous son regard. Parce que finalement, dans les grandes métropoles, c'est très compliqué. Ah oui, c'est peu de lire. Moi qui suis parisien, la vie à Paris est insupportable. Mmh. Entre les Suédois, les bobos, mmh, les transports en commun, la saturation démographique, le bruit qui nous harcèle, les loyers guillotines... les charges énormes qu'on paye, etc., etc. Enfin, la vie est insupportable à Paris. Tu te précises bien, d'ailleurs, je te remercie qu'il est très difficile pour un jeune d'accéder à la propriété. Tu donnes des chiffres qui sont assez terrifiants. Et je pense que c'est un bouquin aussi intéressant à offrir à des personnes qui ne sont pas de droite dans votre famille et qui ont un certain âge pour leur faire comprendre qu'ils ne réalisent pas la difficulté. Je suis écœuré par les baby boomers. C'est insupportable. Qui me cassent les pieds pour parler poliment. D'accord ? Ces gens-là sont d'un égoïsme inhumain. C'est clair. Inhumain. Oui. Quand on leur parle des problèmes d'immigration, ça n'existe pas. Oui. Quand on leur parle des problèmes d'acquisition de la propriété, ça n'existe pas. Aucun des problèmes qui martyrisent leurs enfants n'existe pas. Oui. Ces gens-là sont d'un égoïsme et d'un aveuglement, mais répugnant. Oui. Et d'ailleurs, la conclusion de mon livre est un réquisitoire contre cette génération. Oui. Mais toutes les personnes qui ont vécu plus de 6 mois à Paris sont tombées, tu sais, sur ce profil, le proprio baby-boomer de 55-60 ans, qui en fait te parle de ses problèmes, tu le vois une fois par an, puis il te dit j'en ai marre, tel locataire il m'a payé le 3 et pas le 1, et le gars il est proprio de
6 maisons, dans, il a rien foutu de sa vie, rentier, depuis qu'il est né. Enfin, c'est vraiment générationnel, et ça, c'est quelque chose que tu montres bien dans le livre. Et, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que là où il y a de réels motifs d'espoir, c'est que les fondamentaux du système sont globalement validés par les plus de 50 ans. Mmh. Bon, il y a toujours des tocards qui ont moins. Hein. Ouais. Mais globalement, les jeunes n'adhèrent pas à ça. Même les jeunes mélenchonistes, ils adhèrent à une partie du système, mais ils n'adhèrent pas à tout. Tu vois ? Donc, le FN fait de très bons scores, l'inflation fait de très bons scores. Donc, la jeunesse française se réveille. Et d'ailleurs, moi, les gens qui me reconnaissent dans la rue, 9 fois sur 10, c'est des gens qui ont moins de 30 ans. Mmh. 9 fois sur 10, mmh. D'accord ? Je crois que j'étais reconnu une fois par une femme qu'on peut qualifier de baby-boomer dans la rue. Donc, les jeunes ont un potentiel contre-révolutionnaire, si je puis dire. Et d'ailleurs, c'est normal, puisqu'ils se prennent le mondialisme en pleine face. Mmh. Ils se prennent l'immigration en pleine face, ils se prennent les loyers guillotines, comme je te l'ai dit, en pleine face, ils se prennent le désastre, si tu veux, anthropologique en pleine face, parce que nos baby-boomers sont des bourgeois blancs qui vivent entre bourgeois blancs. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Entre eux, il n'y a pas de problème d'incivisme, il n'y a pas de problème, tu vois ce que je veux dire. Oui. Tout ce qui nous bousille la vie au quotidien et nous fatigue et nous tape sur le système, pour eux, ça n'existe pas. Et là où ils sont d'un égoïsme monstrueux, c'est qu'au motif que ça n'existe pas dans le cadre de leur petit confort, ça n'existe pas du tout, mmh. Et donc le problème n'a pas à être réglé. Voilà. Ouais. C'est absolument méprisable. C'est la génération la plus méprisable de l'histoire de France. Qu'est-ce qu'elle a produit intellectuellement ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a construit ? Ouais. Rien, elle n'a fait que détruire l'avenir de ses enfants. Ils n'ont fait que détruire l'avenir de leurs enfants, ces gens-là, quand même. Ouais. Et quand leurs enfants osent leur dire, vous avez peut-être déconné, ah, oui. Silence radio. Oui. Silence radio, aucune autocritique, rien du tout. Et non seulement aucune autocritique, mais en plus, non, mais le problème, c'est que t'es un facho. Oui. J'ai envie de leur dire, allez vous faire foutre. Voilà. Allez vous faire foutre. Je suis désolé pour mon langage, mais au bout d'un moment... Tu fais éloigner la bouteille, tu deviens de plus en plus... Non, mais ça, c'est pas... Malheureusement, ma colère n'est pas due à la bouteille. D'ailleurs, je pense que ça se ressent dans le livre, oui, puisque oui, les baby-boomers, je leur mets un nombre de... Oui, de claques. Un nombre de claques, mais ils les méritent. Et encore, j'étais un peu gentil, tu vois, charité chrétienne oblige, parce que franchement, cette génération est absolument immorale. L'élection de Macron est immorale tout de même. Oui. Je suis désolé. C'est vrai. Oui. Franchement, Marine Le Pen, pour moi, a été minable. Hein. Enfin, pas le niveau, quoi. Mais c'est pas le problème. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui un petit peu défend les intérêts de la France, et il y a quelqu'un qui nous dit les intérêts de la France, je n'ai rien à cirer. D'ailleurs, la France n'existe pas. Mais en revanche, grâce à moi, chers retraités, vous allez pouvoir continuer à toucher vos petites retraites. Oui, oui. Et je vous rassure, votre petit patrimoine va continuer à fructifier. Mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, non, mais c'est très intéressant que tu c'est le rappelles. C'est absolument immoral. Je me rappelle que dans nos sphères, on est tellement éloigné de la mentalité de ces gens qui ne sont plus français, comme tu l'expliques très bien dans ton livre, qu'on se disait, il ne peut pas passer, c'est pas possible. Moi, quand il a dit l'art français n'existe pas, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un mec qui prétend être candidat à l'élection présidentielle passe avec des casseroles comme ça. Et il passe quand même. Et je l'ai déjà dit sur Meta TV, et je le répète ici, les électeurs d'Emmanuel Macron sont dignes de mépris. Oui. Point barre. Ils sont dignes de mépris, en tout cas d'un point de vue politique. Des gens très bien, sans doute, dans la vie de tous les jours, d'un point de vue politique, en partie quand même aussi d'un point de vue moral. Ils sont dignes de mépris. Parce qu'il y a une partie du vote Macron, c'est cachez-moi cette destruction de l'avenir des enfants que je ne saurais, de mes enfants que je ne saurais voir. Mmh. Hein ? Donc il y a quand même un égoïsme avant toute chose. Il faut bien comprendre qu'il y a des dizaines de millions de gens en France de plus de 50 ans, dont la seule optique, c'est la préservation de leur petit patrimoine. Mmh. Et l'avenir de leurs enfants, ils n'en ont rien à rien à f***. C'est monstrueux. Et ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons derrière. C'est absolument scandaleux. C'est sûr. C'est absolument scandaleux. Et cet ouvrage s'adresse en premier lieu à la jeunesse de France. Oui. Je le lis très calmement. Mmh. Parce que de toute façon, c'est l'avenir. C'est la cible. Et c'est elle qui est le plus sensible à mon discours. Parce que c'est elle qui se prend en plein visage les méfaits du mondialisme. Mmh. Donc, elle sera davantage à l'écoute de ce que je dis. Et quand tu vas à une conférence d'Adrien Bouzy, de Daniel Conversano, de Michel Rac, de Pierre Hillard, que sais-je, à 80%, t'as des gens de moins de 30 ans. Mmh, c'est vrai. À 80%, tu vois. Alors, j'ai une dernière question. Je crois que tu n'abordes pas forcément ce sujet dans le livre, mais je voulais avoir ton avis. Tu parles de saturation démographique. C'est vrai, quand on est à Paris, il y a simplement trop de gens, c'est clair. Mais quel est ton point de vue sur la démographie en général ? C'est-à-dire, par exemple, Renaud Camus qui a mis un peu un mot sur ce qui nous arrive, c'est-à-dire le grand placement.
pensent que faire des enfants n'est pas forcément la solution parce que de toute façon il y a déjà trop de gens sur Terre, etc. Toi, en tant que catholique, est-ce que tu penses que c'est Faire des enfants est important? toujours la solution. Oui. Toujours la solution, tu vois. Alors on me dira, oui, mais il y a la démographie africaine qui est gigantesque. Bah oui, mais je te raconterai simplement que si ces gens-là étaient catholiques, il y aurait une organisation sociale qui leur permettrait de prospérer dans leur pays et tout irait bien, quoi. Il n'y aura pas l'immigration qu'on connaît aujourd'hui, hein. J'en suis absolument convaincu. J'en suis absolument convaincu. Il n'y a aucun problème. La vie n'est jamais un problème. La vie n'est jamais un problème, d'accord? Le problème, c'est l'avortement, c'est la mort. C'est l'anti-France, ce sont ces gens qui font tout pour nuire au salut de notre âme. La vie n'est jamais un problème. Jamais, 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 jamais un problème. Jamais. Bah, très bien, je crois que en fait c'est bien de terminer là-dessus parce que c'est plutôt beau. Je remontre à nouveau ton livre, La France divisée contre elle-même. Voilà. Donc, vous pouvez Merci, commander cher sur le Daniel. site de ta nouvelle, de la boîte d'édition à laquelle tu participes, Oui, tout Altitude à fait. Édition. C'est un petit clin d'œil. Alors pourquoi c'est. Bah parce que tu es hyper orgueilleux. Voilà, c'est tout. Exactement. En fait, c'est un clin d'œil à Marcel Proust. D'accord. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Proust, c'est un des plus grands écrivains français, j'adore son style. Et Proust a une formule rigolote, il disait qu'il lisait l'Action française, je cite, pour prendre une cure d'altitude mentale. Et j'ai beaucoup aimé cette formule, Ah oui. et donc j'ai conservé le mot altitude qui est un synonyme aussi d'élévation J'ignorais que Proust est un intellectuelle. lecteur de. Bien sûr, et tu sais que Proust était très ami avec Léon Daudet notamment. Ah non. Léon Daudet a de très belles pages sur son amitié avec Marcel Proust. Et ce sont tous les deux grands écrivains. Léon Daudet est un des meilleurs stylistes du XXe siècle. Très peu de gens lisent Léon Daudet. Alors, son œuvre est inégale, hein, pour être honnête, mais c'est quand même assez formidable. Les souvenirs de Léon Daudet, c'est génial. Lisez Magistrat et policier de Léon Daudet. Lisez La police politique, c'est moyen et ses crimes. Il raconte comment les flics essaient de le buter à l'époque, tu vois, c'est assez marrant. Tu sais que Léon Daudet, en plus. Enfin, à l'époque, tu vois qu'on se marrait. Tu sais que Léon Daudet, il a pris du ferme pour une diffamation, ce cher Léon. Et donc, il a fait de la tôle. Et quand il est en prison, il a été délivré par les camelots du roi. Comment? C'est que tu sais, les imitateurs qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas notre époque qui les a inventés. À l'époque, il y avait déjà des imitateurs. Et donc, il y a un imitateur qui a téléphoné au directeur de la prison où Daudet était emprisonné. Et l'imitateur dit, en imitant la voix du ministre de l'Intérieur de l'époque, délivrez-moi Daudet et tel communiste pour la paix sociale, etc. Et donc, ça permet à Daudet de quitter la prison et ensuite de fuir en Belgique. Tu vois. Donc, comme quoi, on s'est fait rigoler à l'époque. Je trouve ça rigolo. Mais lisez Proust et lisez Daudet, c'est l'une de nos conclusions. Ouais. Même si vous le finissez pas, Proust, c'est quand même intéressant. Ah mais Proust, c'est un style qui est tellement merveilleux. En termes de style, c'est extraordinaire, quoi. D'ailleurs, Proust, ce n'est que du style, d'ailleurs. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Si tu recherches une aventure haletante, va Mais plutôt vers du justement, Arsène c'est Lupin. ceux qui le critiquent vont dire ce n'est que du style, mais quel style, quelle plume, Et c'est ça. puis, c'est pas que du style, parce que il peut pas y avoir de forme sans fond. Ceux qui détachent l'un de l'autre sont des gens qui ne connaissent pas la littérature. Il ne peut pas y avoir de forme sans fond. Proust, pour moi, c'est 10 fois mieux que Céline, quoi. Enfin, moi, Céline m'a toujours gonflé avec ses points d'exclamation, 3 petits points là. Tu vas partir sur un gros débat là, Et attention aux commentaires. alors, je vais te raconter une anecdote que j'ai déjà racontée publiquement, mais je la trouve tellement géniale que je suis obligé de la raconter. C'est-à-dire que Céline est venue à la mode dans les milieux dissidents, notamment à cause de Soral qui dit que Céline est formidable. Et un jour, je suis à dîner. Et il y a un mec, et j'évoque ce que je te dis sur Céline, c'est-à-dire que moi ça me gonfle, tu vois. Même voyage au bout de la nuit, ça m'a gonflé. Et un mec me dit, mais attends, tu peux pas dire ça de Céline. Il a quand même inventé le point-virgule. Or, tu sais très bien, si tu connais Céline, que Céline, c'est pas le point-virgule, c'est le point d'exclamation, 3 petits points. Donc ce mec-là est un charlot. En fait, il n'avait pas lu Mais il a même pas lu Céline. Céline. Mais Oui, bien, c'est moi, clair. je suis certain que 80% des pseudo-céliniens d'aujourd'hui n'ont pas lu Céline. J'en suis certain. Ça, c'est tout à fait possible, bien sûr. J'en suis absolument certain. Donc lisez plutôt Proust que Céline, c'est 10 fois mieux. Et si vous voulez lire D'accord. des écrivains maudits, lisez Maurice Sachs. Voilà. Ok. J'aime beaucoup Maurice Sachs. Mais ce qu'on est en train de se dire là pour finir me donne envie de. On fera une émission spéciale littérature parce Ah, je compte, que ouais, je je pense que tu as compte. énormément de choses à dire Et là-dessus. même plusieurs, parce que, tu vois, la dissidence et la nouvelle opinion publique ont beaucoup de mérite. Notamment, ils ont remis l'histoire au goût du jour. Ils ont remis la réflexion politique au goût du jour, un petit C'est peu la sûr. philosophie, mais pas la littérature. C'est vrai. Moi, la littérature est constitutive de ma personne. Vraiment, je dois énormément à la littérature française. Ma francisation a commencé avec Arsène Lupin, Rouletabille et Fantomas. Je ne le répéterai jamais assez. Je dois tout à Arsène Lupin, Rouletabille et Fantomas. Je le confesse tout à fait. Et à l'inspecteur Juve, quand même, parce qu'il ne faut pas oublier l'inspecteur Juve, qui était l'ennemi de Fantomas, qui, contrairement à ce qu'on voit dans le film avec De Funès, n'était pas un crétin, l'inspecteur Juve. J'ai immensément de respect pour l'inspecteur Juve et pour Jérôme Fandor. Bah écoute, on fait une émission là-dessus, en tout Mais on cas fera une quand émission tu là-dessus. veux. Donc il faut parler de littérature française et il faut que les gens lisent de la littérature française. Parce que vraiment, ça pétrit, moi ça pétrit mon âme française. J'ai cette immense
prétention d'être une âme française. La littérature a énormément contribué à cela. On t'attend un jour aussi sur le terrain de la fiction. On verra aussi, je serai curieux de lire une œuvre de fiction d'Adrien Bozzi. En attendant, je vous remonte une dernière fois. Je vous conseille vraiment ce livre. Au-delà de l'amitié que je porte à Adrien, je vous assure que c'est un excellent livre. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'espère que vous aurez la curiosité d'y jeter un œil. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais c'est moi qui te remercie, cher Daniel. Et je vous dis à très bientôt. Vive la France, vive l'Europe. À très bientôt.